vient de vivre une game d'anthologie entre Vitality et Team du Sud. Ouais. La game était folle. Hein. Attendez, je vous mets en même temps un pop-up. Non, parce que là, la game vient de se finir. Désolé, ça a mis du temps, les gars. La game était incroyable. Elle a duré 40 minutes, je crois, 45. Ouais, 40 minutes, ouais. 40 minutes, la game était dingue. Wow, ça allait de partout. Elle vient de finir à l'instant. Il y a eu du backdoor. Au final, la game était folle. La game était folle si vous venez de louper ça, les gars. Et ça va être à nous de rentrer. Donc là, il va y avoir un peu de retard. Je sais pas combien de temps on va mettre à lancer. Là, du coup, on voit les images. Hein. Vitality, du coup, qui vient de gagner. Ils sont contents. Avec un match plutôt tendu, la salle c'est incroyable. Déjà il y avait du monde, mais aujourd'hui c'est blindé de partout. Extrêmement blindé. Ça va être dur, les gars, il y a une pression qui s'installe. Bah, il y a le match de la semaine, forcément, dans cette journée. Donc, oui, c'est bien plus rempli. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. On va s'occuper de tout là pendant une heure avec, comme l'a dit Godaga, le match le plus attendu de la semaine pour cette LFL. Avec d'un côté, bien sûr, Gentlemate en blue side et en red side, les Carmine Corp Blue. Mais tu l'as dit là, le match qu'on a vu, c'est le genre de match waouh, DRL, de scène où il y a de l'ego, ça lâche rien. Là, et surtout, on a surtout vu des TDS qui ont fait un comeback, mais ça se voit qu'ils ont été portés par l'énergie de la salle. C'est une équipe, je trouve, qui sont vraiment portés par une énergie et ils ont besoin. Attends, j'ai envie d'écouter la. Vous voulez, on écoute la musique. Vas-y. On a. Pareil ici. On a pris un nasher à 19. Un inhib à 19 minutes. Ensuite, on a perdu le parler. Donc ça, c'était un gros throw. Et ensuite, la Tristana était assez difficile à gérer en teamfight. Et ensuite, il y a un moment où les teamfights étaient injouables, on n'avait pas de flash, du coup, on essayait de jouer avec la game, elle était épique, les gars. La game était épique. Les solutions au moment. On a réussi à... On a réussi au final. Le sang-froid qu'il faut avoir, selon moi, pour aller... Parce qu'au final, vous avez un lead énorme. Ils font pas un début de saison de ouf. Ils ont quand même une grosse partie du public derrière eux. Vous étiez comment? Quand on Il y a un truc qui vient de pas derrière nous, les gars. J'ai même pas tiré. On essaie de trouver des solutions via le side. On a réussi à réussir là, comme ça. Un mot sur votre draft au final, parce que je trouve qu'elle était relativement risquée au global, ou en tout cas difficile à exécuter. Vous avez eu un bon lead en early game au niveau de la botlane, ça s'est hyper bien passé. Mais quand même, je trouve que c'était un petit risque. Parce que si vous perdez pieds, vous auriez pu perdre la gamme. Ils en est bien sorti parce que normalement, Rumble, mais c'est dur comme match. Je pense que le Yasuo top contre Rumble, c'est le plus gros risque. Même mon coach n'est pas très content. C'est lui qui l'a dit tout à l'heure, voilà, je balance. Moi, le Yasuo top, j'étais arraché. Mais voilà, ça s'est passé, je suis content. Bon, rassuré pour la suite de la LFL après une partie comme ça. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel encore, on a beaucoup de choses à prouver, donc je suis content. Scène avec les fans. Ouais. Super. C'était la première fois. Les fans, que ce soit les nôtres, que ce soit Cassé, Vitality, TDS. Merci beaucoup. En plus, il y avait des alliances. On a vu là pendant le match, il y avait Cassé qui était avec les TDS. Ils ont choisi leur corps. Merci beaucoup. Il y avait une ambiance de fou. Merci beaucoup, Sten également. Première. Pendant le waiting screen, justement, ce qu'on avait essayé de vous mettre, que vous entendiez, que vous avez quand même un petit bruit de fond de la salle. Et au final, ça fait plaisir parce qu'hier, on vous avait mis le waiting screen et il n'y avait pas du tout de son. Donc au moins là aujourd'hui on s'est un peu rattrapé et vous pouviez entendre un peu ce qui se passait dans la salle. Et non, il y a une ambiance de fou sur place, j'espère que ce sera pareil pour notre match, les gars. Bah ça risque d'être même... Moi je vous dis, il y a une pression qui s'installe, j'ai vu le Batou qui est passé plusieurs fois. Tout à l'heure je faisais des photos avec les fans, le Batou il est passé. Et tu sais, il est venu comme ça en mode... Non mais c'est une rivalité qui est... Il est venu me serrer la main et tout, mais il m'a mis une petite pression quand même, le Batou. C'est une rivalité qui est saine forcément et tu l'as dit, hein, l'ambiance va être, je pense, encore plus folle. Parce que là, on a carrément les deux parkages du côté de Gentlemate et du côté de Carmine Corp qui sont blindés. Ouais. Et bien sûr, tous les autres structures, tous les autres fans sont aussi restés pour le match de la semaine. Et donc, ils vont devoir, entre guillemets, choisir un camp, même si c'est l'histoire d'une heure ou de quoi que ce soit. Donc, ça va être super intéressant à voir. Mais du coup, effectivement, ça va être l'effervescence ici. Et on va parler maintenant un peu de l'attitude des joueurs. Je trouve qu'on a plutôt une équipe qui sait jouer en LAN. Oui, ouais. C'est un vrai point fort qu'on a. C'est ce qu'on a vu hier, On sait qu'ils n'ont pas la pression, ils ont de l'expérience, ne pas aller trop loin, ne pas se jeter. Et je crois que même les analystes un peu qui suivent, ou même les anciens joueurs pro, commencent à dire qu'à part Gentlemate, il y a peu d'équipes qui arrivent à gérer la sortie de laning phase. Tu as tous ces moments un peu moyens, lents, où tu dois tempoter tes points. Un tweet d'impro, parce qu'après, si on dit ça. Mais il a raison. Les gens vont reprendre et vont. Bah, moi, je vois pas tous les matchs. Moi, je vois pas tous les matchs, donc je peux pas juger, mais il a raison. Bon, en tout cas, Gentlemate s'en sort bien. Il a trouvé que c'est un aspect qu'on avait. Je l'avais dit, première semaine. C'est le fameux. C'est le fameux tout le monde reste à sa place, chacun fait son rôle. C'est ça que j'expliquais, que j'arrivais pas à mettre des mots. Il l'a bien dit, c'est la sortie de laning phase. C'est le mot le plus dur, parce que c'est là où l'avantage ou le retard de laning phase va avoir. Il y a juste un moment, là, justement, la game qu'on a donné contre TDS, où j'étais en mode ça, c'est la première fois que on a fait caca culotte. On a donné une game, tu vois. D'habitude, même quand la game elle est gagnée à 80%, ce que je disais justement hier un peu en résumé, même si on peut essayer de forcer pour la gagner maintenant, on va essayer d'aller chercher les derniers pourcentages où on est sûr. On va aller valider un H, on va valider la sol, et comme ça on est sûr au moins
de même si c'est une dinguerie, oui. On gagne quand même à 100% la game. Et c'est l'impression que c'est un peu un style de jeu de TDS aussi, tu vois toujours ils ont quand même cette touche de folie. Moi j'aime beaucoup. Ils ont fait comme ça contre cette game. Montre-leur les images. Cette game qu'ils ont eu contre Carmine, on l'a vu contre Vitala, contre nous. Ils ont ce truc où ils sont derrière, tu dis. Il y en a un qui va faire une connerie, les autres ils vont tout de suite la connerie, ça va marcher. Et bah c'est ça. Tu vois, un mauvais call bien suivi, c'est encore un bon call. Exactement. Et quand t'es archi derrière, bah t'as pas le choix que t'entends des mauvais calls. Exactement. Et bien joué TDS qui a tenu, mais Vitality se sera fait peur, mais l'emporte au final. Honnêtement, c'était une belle game et du coup, ça a vraiment animé la salle, ça a réveillé tout le monde. Oh bordel. Et là, ça va commencer à chauffer pour le match. Le match sont attendus. Ça accueille forcément Kameto et la Carmine Corp. Il y a les joueurs qui sont sur scène, ça les accueille évidemment. Attendez, je suis en train de vous mettre un petit setup aux petits oignons, comme ça on est bien. Mais je parlais surtout de l'équipe qui m'a rassuré hier. J'en parlais la semaine, je voulais voir ce qu'ils ont dans le ventre. Après, j'étais en mode c'est un défi. Ils m'ont rassuré hier. Ils savent jouer déjà les bons picks en LAN, parce qu'il y a une différence entre jouer des picks, on va dire, un peu plus greedy. Ouais. Et c'est pour ça que je vais regarder Vladi de très très près. Il a été très bon hier, certes. Ah, Vladi, les gars. Mais il joue le genre de pick qui, s'il confirme avec ces picks-là en LAN, c'est le meilleur joueur du monde, enfin de France, tu vois, de la LFL. Par contre, si en LAN il a des difficultés, c'est un peu normal, parce que c'est des picks où t'as pas le droit de faire. Le patro, c'était erreur. Alors qu'un EK, il va rester à sa place, oui, il va scale, il va. Il joue beaucoup d'assassins. C'est plus safe. Ouais. Et du coup, les assassins, c'est quoi? C'est des persos que quand t'es derrière, c'est trop dur. C'est très dur de revenir, faut que tu retrouves des free kills. Surtout si en face, on a des CC, donc avec des rails en jungle, des Maokai. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va être le focus là chez nous là? Désolé, ma phrase, c'était peut-être pas très pour française. Les bans, pour la draft? Ouais. J'ai pas trop envie de parler avant. Non, mais non, pas de temps là. À peu près, voilà pour. Moi, je dirais la botte. Dans tous les cas, on a du temps avant de jouer normalement, les gars. Je pense qu'on a au moins 10 bonnes minutes. Parce que là, tout le monde a setup. Je rejoins Brook sur Bao devrait être le focus, mais le problème, c'est qu'il joue tellement de champions qui vont abandonner le focus Bao. Bah, c'est pareil. Kalis, on va pas laisser trop de temps. Peut-être la jungle, si je pense. Kalis, il maîtrise beaucoup. Bah, je pense. Du coup, on va peut-être pas ban les Lucian, les Kalista. Et on va peut-être ban de jungler. Peut-être des ban top, peut-être Ragnar, il va se faire ban son Sion, tu vois. Bah ça que le son de Ragnar, les gars, il fait peur. Peut-être qu'ils vont nous forcer à jouer Ragnar, peut-être des carries sur en top lane, peut-être. Tu bats sur Horn. Il nous prend quoi, Ragnar? Il a un bon champion de boule. Oui, il a un très bon champion de boule. Ah, non, je te pose la question en mode oh là là, Doig, qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, non, mais en fait, ça se trouve, c'est dans son champion. Non, mais c'est dans son champion de boule, mais peut-être que t'es plus à l'aise de le voir sur un kite, tu peux plus le contrôler que si c'est un Sion, tu sais que tu peux pas le tomber. Ouais. À tout moment, il peut t'émoto mid. Il y a deux choses. Il y a ça pour l'adversaire, mais aussi pour tes alliés. Ouais. Peut-être qu'un EK ou quoi que ce soit, il préfère jouer avec un Sion qui est une frontline définie qu'avec, je vais dire une bêtise, une Riven. Je dis exprès, une Riven qui est impossible. Ou en fait, c'est dur à suivre, à comprendre, mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il y va, est-ce que je dois le suivre. Donc en fait, rien que pour rassurer l'équipe aussi, il faut jouer des picks en LAN, surtout en LAN où il y a l'ambiance, il y a tout ça. Il faut jouer absolument. Les Lee Sin et tout, il faut mettre de côté, tu vois. Alors que je suis un fan de Lee Sin, c'est pas le genre de pick en LAN, sauf si vraiment t'es. En plus, ouais, peanuts, là, tu vois, bien sûr. Si tu t'es canyon et que t'es. Voilà, tu t'amuses trop, t'as des facilités. Ils sont dans une bulle, frérot. Oui, ils sont dans un autre monde. Mais oui. Tu peux le dire. Mais on va y arriver. Et on a justement le classement, mon cher Rosa, tu m'en parlais, parce qu'on est dans la course pour les playoffs. Ouais, absolument. Bah, on est dans la course pour les playoffs, clairement. Là, cette win, forcément, elle va être déterminante. Soit, du coup, Carmine nous bat et du coup, ils reprennent la première position avec Becca Rogue. Il sera en 6-2. Si jamais, par contre, on gagne ce match, on retourne en 5-3. Ça passerait un peu notre 0-2 week de la semaine dernière. Exactement. On retournerait à la deuxième position ex aequo du coup avec KC. Et du coup, il y aurait seulement Becca Rogue seul en tête, suivi de top 2 ex aequo au Carmine et nous. En plus, du coup, si on les bat, du coup, on serait deuxième parce que dans le match-up, on gagne. Oui. Donc non, c'est vraiment une victoire importante à aller chercher contre une KC qui est quand même en forme, même si hier ils ont perdu. Hier, c'était contre une équipe de. Bah, Becca Rogue. Ouais. Non, c'était pas Becca. Hier, Carmine. Carmine, ils ont joué contre qui déjà hier, les gars? Nous, on a joué. Ils ont pas joué Game Ward, entre ça? Non, je pense pas. BDS, pardon, BDS, ouais, BDS. Ah, bah BDS, justement. BDS aussi, qui ont à peu près le même ratio que nous. Je crois que c'était devant en plus, BDS. Mais là, je trouve. C'était devant en plus, je crois. Alors, j'ai suivi de très loin en général. C'est en 5-3 BDS. J'ai suivi de très loin la ligue. Je sais pas si vous avez suivi un peu plus en général la LFL, mais là, j'ai l'impression qu'elle est très stack. Genre, tu vois, même TDS qui est actuellement dernier, à tout moment, regarde, ils nous ont battu nous. Là, ils ont fait battre Vitality. Troisième. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, c'est stack parce que tout le monde peut perdre contre tout le monde et tout le monde peut gagner contre tout le monde. Oui, c'est surtout ça l'effet, quoi. Oui, ouais, oui, c'est ça l'effet. D'accord. Parce que, à la limite, tu me dis tout le monde prend ses victoires contre ce club-là et tout le monde prend des défaites contre lui. Je te dirais, bah non, on n'est pas stack. Il y a eu des saisons comme ça où il y avait certaines équipes, genre des 0-8, 1-8, tu vois, et du coup, tout le monde prenait sa victoire contre Et là, non. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas de win. C'est vraiment ouais. C'était pas il y a deux semaines où Solari bat Kakor ou un truc comme ça, tu vois. Non, mais justement, c'est Solari qui est en 0-3, qui bat Kakor, qui est invaincu. Et derrière, là, ils ont lancé leur série, ils sont en 3-3, ils ont perdu, je crois, hier.
Aujourd'hui, c'est passé comment leur match? Solaris ont perdu aujourd'hui aussi. Ils sont en 0-2 là. Ouais, 0-2 8. Après, c'est l'effet BO1 aussi, attention à ça. Ouais, mais bien sûr. Imaginons, oui, non, non, mais même avec l'effet BO1, parce qu'en fait, tout le monde s'attend à l'effet BO1 où du coup, voilà, potentiellement, t'es le meilleur de la ligue et tu finis 3ème, ok, à cause des BO1. Mais je veux dire que tout le monde puisse autant battre tout le monde. Bah en fait, ça dépend d'une draft, on est sur un nouveau patch. Tu vois, ouais, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a ça qui fait que c'est différent. Alors que, imaginons, on était en BO2 comme ils l'ont fait un moment en Corée ou même en BO3. Bah, ce qui fait que tu peux te rattraper. Tu vois, tu peux perdre une game et gagner la deuxième. Et du coup, on aurait eu moins ce côté stack parce qu'il y aurait eu des 2-0 simples ou des 1-1. C'est vrai qu'en BO1, t'es en mode bah, la draft. Et puis, des fois, t'es en blue side, des fois, t'es en red side. Il y a un gros sujet que j'ai eu avec Duke, que vous connaissez, qui est en plus maintenant coach d'une équipe. J'adore ses analyses. Mais ses analyses, c'était trop intéressant. Et il me parlait justement, on parlait blue, red side et des biais dans lesquels il ne faut pas tomber. Parce qu'on était en mode, oui, mais est-ce que le red side. Ouais, tu donnais tellement de data. Ah, c'était trop intéressant. Vraiment, Duke, il a une vraie, vraie vision. Tu sens qu'il fait ça depuis un bon moment. Ouais. Et même moi, ça m'a éveillé un peu mon mindset. Il ne faut pas tomber dans des biais. Tu vois, on est en mode. Quel est le pourcentage de victoire pour l'équipe qui prend les larves par rapport à l'équipe qui prend le dragon? Juste ça. Alors, et après, on est en mode bah attention, parce qu'effectivement, si tu prends les larves, c'est que tu as une compo qui te permet de les prendre, et parce que après, tu les utilises à bon escient. Donc, en fait, c'est aussi très contextuel en fonction des compos, etc. Et en fait, du coup, il n'y a pas de bonne réponse. Et on est en mode, faut pas se fier au pourcentage. Là, si tu me dis 55% de victoire en blue, je vais dire, bah logique, peut-être que. En blue side, bah, y a ce genre d'équipe qui a joué, donc c'est le biais qui fait que... Bon bref, c'était bien plus intéressant que ça, là je me perds. Mais franchement, ça rend le jeu bien plus complexe. Oh, ça commence ? Il y a une énergie dans la salle, ouais, les gars. J'aime bien. Les gars, il y a une énergie dans la salle. Tu la ressens ? Ouais, soyez pas choqués, fortement. Les gars. Il va y avoir peut-être des trucs qui vont vous offusquer. C'est le mode LAN, les gars. Il y a pas mal de supporters de tous les clubs. Il va se passer des choses, il va se passer des péripéties dans ce match. Il va y avoir des mèmes, il va y avoir des phrases sur Twitter. Et voilà, les gars, préparez-vous, ça fait partie du jeu. Mais moi, je me suis fait avoir aujourd'hui, je suis tombé dans le piège. Je suis tombé dans le piège, les gars. Non, mais en vrai, ça m'a fait même plaisir, moi aussi, de rentrer un peu dans le jeu du mentor. Et après, il y a un des fans, il a joué sur la limite d'un tweet. Oui. Du coup, je peux pas l'allumer. Et en fait, il était trop bien trouvé. Et même moi, quand j'ai vu. À partir du moment où j'ai rigolé premier degré, j'étais en mode. Il a gagné. Enfin, le bâtard. Mais c'est là où t'es un bon, c'est que t'es fair play. T'es en mode bon. Ah bah ouais, non, mais là je pouvais pas. Tu vois, je pouvais essayer de mettre des pics par-ci par-là, mais il y a des moments. Celui-là il était fort et j'étais en mode putain, il m'a eu. GG à lui. Ça parlait non, de mail, non? Ouais, c'est celui-là. Okay. Celui-là, non, vraiment. Et certains m'en ont voulu en mode ouais, pourquoi t'as pas répondu? Il est sur ta. Genre en mode mes frères, c'est factuel, elle a joué pour casser, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Si je m'énerve, ça veut dire que je comprends autre chose. Il y a même des supporters cassés qui ont dit. Non, là, Gotha, tu peux lui insulter sa mère. Il a eu le feu vert. Non, mais les gars, il l'a pas pris. Dites-vous, c'est bon enfant. Je sais pas si vous avez vu. Il y a des vidéos là que même. Moi, il y a comment ça dit Pepo ? Pipo, ok, ah, non, voilà. Donc, c'est Pipo qui est venu nous voir pendant qu'on était en train de prendre des photos avec les mates et tout. Ouais, il est venu, mais la démarche. J'aime trop son costume là. Non, mais moi aussi, franchement, parce qu'il avait fait une levée de fond il y a pas longtemps. J'ai pas compris, c'est lui le Batman que vous disiez. Ouais, c'est lui le Batman. C'est lui le Batman. J'ai pas compris. Ah ouais, non, mais il est même revenu là et tout. Non, mais c'est bon enfant, etc. Parce qu'il y en a qui prennent ça très premier degré, les gars. Donc, forcément, dans toutes les communautés, il y a des gens qui sont très premier degré et qui sont très sérieux. Mais dites-vous que la plupart du temps, les gars, ça va être du banter, ça va être vraiment genre bon enfant. On va parler avant le match, on va parler pendant le match et à la fin, on va se faire des gros câlins. D'accord. Moi, j'ai tapé ma soirée avec Kameto et Kota hier. Hein, bah, pareil, hier, on s'est checké, il n'y a eu aucun problème. Qu'est-ce que je veux dire ? Aucun problème. Après, je sais pas si c'est intéressant parce qu'on casse le mythe de la rivalité, mais il y a une rivalité sportive. Non, il y a une rivalité. Non, cette rivalité, il faut la garder. Attention, faut pas être dans le monde des bisounours. Clairement. Mais en fait, dites-vous que souvent, les gars, déjà, faut parler avant, pendant le match, etc. C'est important. Parler après, c'est la facilité. Et ensuite, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'e-sport, les gars. Et on a signé pour ça. À partir du moment où on est rentré dans ça, moi, je vous dis, au ski, quand j'en ai parlé à Lucas, en mode, rejoins-nous, tu vois, ça va être cool. J'ai dit, par contre, ah, t'avais déjà. Prépare-toi. Ok. Non, mais je lui ai dit, mais non, mais écoute. Non, mais faut directement préparer les gens parce que. Quand tu mets très cousine était mise, tu sais, quand tu mets tout ton cœur dans un projet, c'est et surtout un projet humain. Ouais. Quand on attaque ton pro, quand on attaque ton bébé, ton projet, ouais, surtout, tu peux le prendre bébé, très tes joueurs et tout, et donc tu peux le prendre un maximum de recul sur la situation et se dire, ok, c'est mon bébé, etc. Ça reste de l'e-sport, c'est du sport, c'est de l'e-sport. Ça fait tant que, du jeu. Tant que les gars, ça va pas plus loin. Regardez, Doug, il est parti s'amuser, il est parti faire des vidéos. La vidéo, elle est pixel. Ah, la vidéo, elle est le zoom sur ta tête. Bah après, c'est en pas train moi, de te faire mêler. Vidéo, ouais, non, mais c'est la vidéo est incroyable. La vidéo, elle est incroyable, les gars. Je sais pas si vous avez vu où Doug il se fait mêler, il se prend un poco par la vidéo est incroyable, vraiment. Bah, je suis parti leur faire un coucou, forcément, en souvenir du bon vieux temps, alors que là, okay, ça s'est dans la salle. Oh, bordel. Okay, ils ont déjà fait ça? Je sais pas. Attends, il se passe quoi? C'est dans combien de temps? 50 secondes, ok. 50 secondes. Moi, on m'a dit, potentiellement, il y a une surprise. Mais là, les gars, nous, ah on, ouais on est les seuls à avoir de la lumière. Tu veux qu'avant qu'il se passe un truc, je te dévoile vraiment un truc, genre ce qu'on n'a pas dit. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire quand même, on s'en bat les couilles. À la base, je devais pas être avec vous. Je devais pas être mate. Enfin, il y a deux semaines, on savait pas. Ouais, ouais. Je parlais avec Carnage. Oh, tu vas nous dire ce qui va se passer? Non, non, bah non. Je devais host l'entrée de K-Corp contre Gentlemate.
Mais non. En tant que host neutre. Et du coup, je parlais avec Carnage jusqu'à fin décembre de ça. On a reparlé un peu début janvier et il me dit, mais du coup, avec Gentleman et tout, j'étais en mode, bah logiquement, si, ça va, si un truc se fait, ça sera sûrement après Nice. Et donc, ils étaient chaud. Et puis après, je lui ai dit, bon, c'est en train de se discuter. Okay. Et du coup, là, normalement, j'étais censé apparaître. Attends, mais si c'est pas toi, du coup, c'est qui? Je sais pas. Mais du coup, ça va être autre chose, je pense. Ils ont pris ton frère. Les gars, je vous jure que l'histoire est vraie, demandez à Carnage. Ils ont pris vous entendez, les gars, j'ai monté le son. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, ça devait être moi en mode. Et mesdames et messieurs, pour le match de la semaine. Mais du coup, c'est pas moi, putain. Oh. Waouh. Ça a l'air d'être mieux, ça a l'air d'être mieux que moi. Il est la révélation de l'année. Oh, j'aime bien. Mais ça, vous regardez l'écran, vous. Bah ouais. Moi, je regarde la scène. Il réunit plus d'un demi-million de fans. Oh. Ça, c'est pas Grim. Pour la première fois en France. C'est Grim. C'est pas... Parce que... Si, je crois. Je lundi. Pour ce week-end, putain, non, c'est des gamins. Je préfère ça. Hey, les gars, on lui a dit pour le maillot qui pue, d'ailleurs, hier. Oh, le goût. Hey, Grim, je t'aime. Oh, le goût. T'es le meilleur. Oh, c'est le goût. Je lundi. C'est l'heure. Mesdames et messieurs, après une prestation d'une qualité rarement observée, c'est maintenant la conclusion de deux superbes journées de compétition. Le match de la semaine que vous attendez tous. La première équipe à se présenter devant vous. De nouveaux arrivants dans la LFL. Veuillez accueillir Gentleman Waits. Sur la top lane, Ragnar. Au poste de jungler, Sur la mid lane, Eka. Ikron au sommet de la NFL, j'ai nommé la Kirby Blue sur la top lane, Meister. On s'est stylé, gars. On s'est stylé. Ils seront accompagnés de leur coaching staff. Wally, Apple et tout. S'il vous plaît, Miss, le palais d'Ikaya pour vos deux équipes. Un tonnerre d'applaudissements. Ah, c'est stylé. C'est quand même stylé, les gars. On y est. Mesdames et messieurs, la hype est énorme. Allez mon Bao, allez mon Bao. Vous avez la pression, faut qu'il la voie la pression. Vous êtes des jours de l'âne. Ça c'est Ragnar, c'est ce qu'on veut là, les voir à 5 comme ça, soudés aujourd'hui. Voir les uns faire les efforts pour les autres, une composition cohérente, capable en ligne de se faire entendre. Vous ne les voyez pas ces arômes, elles arrivent trop vite. Vous ne les voyez pas ces arômes. Oh le goût. Il y a plus de corps, il a absorbé.
absolument. T'as un jeu incroyable. Oh le coach. Oh là 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 là. C'est le jeu où je suis plus nul et pourtant frérot. C'est le jeu, il y a des émotions. Je pensais pas les gars moi que je serais autant touché par le. Non, c'est un monde de fou frère, c'est un monde de fou là. Je peux voir un peu sur. En fait, je savais qu'il y aura un minimum, tu vois, mais. C'est un monde de fou là. Ouais, c'est un autre monde, je crois que t'aurais expliqué. Mais même toi, tu m'avais dit, ouais, tu verras, Doag, tu vas retomber dedans. Bah ouais, mais j'ai pris de haut et je suis retombé dedans en une journée. Bah oui, bien sûr. Là, je suis. C'est plaisir de retomber dedans. Mais je savais pas que j'avais perdu un truc. Bah oui, quand tu retrouves le titre, c'est trop bien. C'est trop bien. T'as l'impression que t'es joueur, sauf qu'en fait. C'est eux qui jouent, ils sont meilleurs que nous. C'est un stress différent. Ouais, c'est un stress différent. Et t'as envie de les protéger comme des enfants. Ouais, ouais, c'est incroyable. Vladi, ouais. Mesdames et messieurs, le mid-laner de la Kami Corbu qui fait énormément parler dans la LFL. Et après, avec ça, Akali est un très très fort. Surtout sur des pics qui font la différence. Il a une confiance en lui, Vladi. Ça va être l'ennemi à tomber. Ça va être l'ennemi à tomber. Il est terrifiant. Il est terrifiant. Et en plus il joue du Azir, et en plus il joue du Azir. La fougue, la jeunesse contre l'expérience. Le jeu structuré et carré. Contre l'agressivité, la jeunesse. Aïe aïe aïe. Je veux un beau match, je veux deux équipes qui se la donnent. Tu vois, j'ai envie qu'on batte Carmine, mais à son meilleur niveau. Pas une Carmine fatiguée, pas une Carmine affaiblie. Et là c'est le cas avec Kalista au rôle de Kayode. Côté Carmine Corbu. Forcément les gars, c'est pour ça qu'on dit que c'est chez eux pour l'instant. Ils ont des titres. La LFL, ils l'ont quand même dominé. Faut respecter ça les gars. Faut respecter. Il y a du talent, il y a du potentiel. On respecte, mais ça va rien changer. On va quand même les éteindre ce soir. On les éteint. On les arrache. Oh bordel. Déjà là, frérot, je passe ta vie, ils nous ont respecté de fou. Ouais. On vient d'arriver dans la ligue, on est le premier drop. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Ça veut dire un truc. Non, ça veut rien dire. Non, parce que le vrai drop, c'est qu'elle sait qu'il a quand même. Okay. Mais tu vois, regarde. Il y a un petit truc qu'on a en mode ah merci. C'est même tu vois, il y a le syndrome de l'imposteur un peu je trouve. Mais j'ai un syndrome. Après on a un retour d'exception les gars. Je veux dire syndrome, on a notre place. La musique de Lenana était mieux quand même. Elle était plus hypante. Elle était plus. Mais bon. Elle était plus chaudée. Moi je pense quand même. Alors bien ça les gars, ça va être dur. Ça va être dur. Je pense que c'est la première fois où on arrive en event où on a potentiellement le public contre nous. Même si on a déjà avec nous. Tu vois, nous on a fait des SWC, on avait tout le public pour nous. Ouais. On n'est pas habitué à être. On avait tout le public, dont une partie de ceux qui sont là-bas. Ouais, dont beaucoup qui sont là-bas d'ailleurs. Mais du coup. Là, c'est vraiment la première fois qu'on subit ce truc, et c'est vrai qu'il y a un petit truc quand même. Bah, j'espère que ça va donner du boost à nos joueurs, parce que c'est eux qui vont devoir faire le nécessaire sur le terrain. Bon, on va jouer justement avec cette pression. Une draft qui va commencer, je rappelle qu'on est blue side, donc du côté gauche, donc on va avoir la chance de first pick, donc de choisir en premier après les trois balles de chaque côté. Par contre, on n'aura pas le last pick, donc on n'aura pas peut-être le counter top qu'on aimerait avoir sur un Reiner. Ça, faut le prendre en compte. Qu'est-ce qu'on va faire comme choix? Est-ce qu'on va laisser tous les carriades disponibles pour que Kaliste et en même temps Bao puissent faire ce qu'ils veulent? Orienter peut-être des bans plus sur la jungle et la top lane, sachant que AK et Vladi ont aussi un pool de champions énorme. Bien sûr. Ça va être très malin, peut-être les supports aussi, hein. Camille, oui, bien sûr. Attention, bien sûr, Camille, il a montré une belle prestation. Moi, je pense qu'il vont ban le Sion de Reiner. Tu penses qu'il ban le Sion de Reiner? Moi, je sais pas. Hein. Moi, je pense qu'on va plutôt focus white. Moi, je pense qu'ils font sauter actuellement, la Kalista. Actuellement, les gars, le seul match. Ou alors, je dis ça avec mon expérience de noob encore une fois, mais le seul match où on s'est fait détruire, c'était Vitality la semaine dernière. Et c'est. Ils ont pris Rel en face, ils avaient ban Jarvan, je crois qu'ils avaient ban Vitality. Ouais, mais on était Redside. On était ouais, on était le côté, effectivement. Du coup, là, on a un jungler qu'on peut. Bien sûr, mais du coup, on s'est retrouvé sur un. Mais c'est pas Xing Zhao, c'était Wukong. Ouais. Et c'est une game, justement, on est parti un peu derrière et on n'avait pas la compo pour comeback. Sinon, on ban 0 jungle et qu'ils en bannent 3, il en reste un. Donc c'est là que je dis que c'est bien d'être blue side. On respecte, on écoute. On les connaît. On les veut à leur meilleur niveau.
Toi, tu connais bien, d'Avocat Six, c'est aussi. J'ai failli dire Blue. J'ai pas existé. Qu'est-ce que je vous ai Désolé, les gars. En vrai, toi, on t'en met même pas. Les réflexes. C'était pour la vanne, bien sûr. Et forcément, le public est aussi motivé, hein, va falloir prendre ça en compte. Mais toi, tu me l'avais dit, hein, des joueurs comme Eka, ça les booste d'avoir entre guillemets des choses à prouver encore devant un public. C'est un goat. Il a tout d'un grand. C'est un grand joueur. Quand on te crie dessus, tu réponds dans le jeu. C'est la meilleure des réponses. Je suis d'accord. C'est la meilleure des réponses. Ah, tiens, côté gentlemate. C'est, tu vois, beaucoup plus mesuré, posé. J'ai vu, regarde, il y a le Darka qui est parti. Ils sont tous partis avec eux. Ils sont partis avec eux. Allez, ça y est, la draft avec Akali. Balle directement d'un côté. Qui saute. Karma qui a été balle, sachant qu'on l'avait joué sur Ragnar. Donc pour l'instant, c'est la top lane qui est visée du côté de la Karmine Corp. On a ban Senna pour le support potentiel de Camillus. Très très costaud. Tu peux jouer aussi Karyadé. Bah, on doit l'avoir. Ah, c'est quand même beau, les gars. Aïe. Ils sont nombreux en face. Parce que j'ai des insights et Camillus comptait jouer à ça. Ah ouais, les gars, Camillus hier, il a été respecté. Et c'est un très bon pick pour Delan. Draven qui saute. Parce que la Ro, elle permet d'être fort. Draven qui saute, Kalis qui est focus. Aucun jungler de ban, ça y est, Maokai ban. Tout est open. On a Rel open, les gars, je veux un first pick. Let's go! Ça démarre bien, c'est ce qu'on voulait. Les gars, je vous cache pas que la Rel, je suis très content de la voir. Attends, Vladik, très, il va très jouer. Content de la voir. Attends, ça va. Là, ils vont prendre du Azir, je sais pas Vladik, quoi. Vladik, tu vas pas jouer un assassin. Bah, ça m'arrange. Bah, après, on a ban Akali. Après, sur les autres assassins, je sais qu'il a un très bon lyonnais. Là, il va être obligé de prendre Bayonnais, forcément. Il va être obligé de prendre Azir. On a laissé Azir. Regarde, un stand lock Azir. Les gars, c'est sûr. Forcément, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont choisir en second? Peut-être un Karyadé dès maintenant pour sécuriser, je sais pas, un Lucian, une Kalista, pour essayer de mettre Kalista dans les meilleures positions avant la deuxième rotation de balle. Ah, hein. Ce first pick. Non, c'est Kassente qui va être sécurisé très tôt aussi, un des top picks du moment. Et toi, tu l'as dit, hein, Ragnar, il a des solutions contre Kassente. Ragnar, il a des solutions contre tout le monde. T'es sûr, hein? Je suis certain. Contre Kassente, tu penses avec quoi sa solution? Renekton. Est-ce qu'il va partir sur un carry? Tu penses à un carry? Hein? Tu penses à un carry? Ça peut être un Prox. On va lock Varus de l'autre côté, les gars. On n'a jamais vu Varus. Attends, si, premier match. Il a joué Varus, premier match. Ça peut être un Prox dans Kassente. Atrox dans Kassente, c'est très fort. On va partir sur Varus. On part sur Varus, les gars. Hein? Varus. Pardon. Varus sur Baro, ça me dérange pas parce que Baro c'est un play, playmaker. Mais jamais la vie. Varus c'est un playmaker. Attention les gars, jamais la vie. Ok. Varus. Non mais tu sais qu'il dit jamais la vie, les gars. J'ai regardé comme ça. Il était comme ça quand même en match. Jamais de la vie. Les gars, je joue pas au con. Non, parce que ça, ouais, je sais qu'il avait, ruiné il y a un passif, je crois, avec quelqu'un sur sa série à Pémide où il avait ruiné la. C'était n'importe donc quoi. Donc il avait quand même sorti. Oui, il avait sorti. Pour le Varus, pourquoi j'aime moins? Alors c'est un très bon pick qui va Wombo Combo, qui va rajouter du contrôle. Donc dans ce genre de moment, c'est trop bien avec une Way derrière qui va pouvoir encore plus accompagner. Mais le problème, c'est que Bao, c'est un playmaker. Lucian, Kalista, il y a des bons placements. Et c'est vrai qu'avec Varus, bah, t'es limité quoi. Il n'y a pas une grosse différence entre un très bon Varus et un très très bon Varus. Alors qu'il y a une différence entre très bonne Kalista et une très très bonne Kalista. C'est mécaniquement basique quoi. Mais il a une bonne ending phase. Way dans Azir. Je pense à ce neutralise. Ce 50-50. Ça peut être un match de contrôle. Normalement ça devrait pas se tuer. Okay. Et je pense que tu vas devoir attendre le jungle, surtout que c'est de la vie. C'est de la réelle, je pense que tu vas attendre. Ça peut peut-être tenter un gage au niveau 6, une virgule. Bah oui, je pense, ouais, totalement. Virgule qui glisse avec le jungler qui arrive au moment. Enfin, putain, c'est chaud. On va jouer les mêmes compos quasiment. Kalista qui a sauté. Logique. Là, on va viser deux carrières, je pense. Hein. Kalista, Lucian. Je sais pas qu'est-ce qui peut counter Varus, peut-être les gens savent. Qu'est-ce qui peut vraiment gêner Varus en lane? C'est vrai que je joue très peu bot lane. On a déjà enlevé le Draven, on a la Senna support qui était embêtante, qu'on a enlevé aussi parce que du coup ça a beaucoup de range. Ça rend très très fort la bot lane en face s'ils ont une Senna. Qu'est-ce qu'on va ban pour Kali? Peut-être Lucian. Le Sion a été ban, les gars. Parti, c'est ban. Sion qui est ban. Le Sion qui a été le last ban justement de casser et mis de notre côté. Je pense qu'il peut faire Lucian Nami, tu vois, il peut faire le Milio quelque chose aussi. Oh. Oh, j'adore l'ambiance là. Ça a pris vibe. De l'autre côté, ouais, les gars, l'ambiance est incroyable. C'est à nous de choisir, l'ambiance messieurs. Sur place, les gars, elle est incroyable. Pas de blitzcrank. On veut pas de se faire catch, on veut pas de hook.
parce qu'on veut vraiment contrôler les teampacks, on va vouloir nous jouer sur nos contrôles. On a beaucoup de contrôle avec les trois premiers persos, on a beaucoup d'engage aussi. On a déjà beaucoup d'engage. Ça, c'est cool. Il peut y avoir au top là. Atrox, est-ce que c'est Atrox, c'est la sécu. Atrox, c'est la sécu. Là, on part sur un pic. Vayne. Ah ouais. Bonhomme. Oh, bordel. Bonhomme s'il prend Vayne. Ouais, non. Bah alors, Caliste. Bah alors, la Vayne, on voulait l'avoir. Après, Vayne. C'était du suicide. Ouais, c'était du suicide. Bah, en fait, mais j'aurais aimé bien. En fait, s'il prend Vayne en vrai, et que nous au top, on est sur un carry genre Gwen, un truc comme ça. Ouais. La Vayne, elle est pas. Il faut des HP en face. Tu te fais éteindre par un virus, non? C'est dur en lane. C'est trop dur en lane. C'était du raid. Mais qu'est-ce que ça peut être Vayne avec. Ok, Nautilus. Fiora. Il part sur bah attends, il a jamais sorti encore. Non. Il part sur Fiora pour venir counter Ragnar, c'est très bien, ça fait des dégâts bruts. Fiora avec les marques qu'elle dépose, donc le Ragnar va être fragile. Fléchi, excusez-moi, en face, Fléchi lui va être fragile. T'es un peu trop bleu, frérot. Mais je suis mec, je m'attendais pas à avoir une Fiora. Et le deuxième, c'est ça. Le gamin. Faut savoir que Fiora c'est un petit peu faible en early game. Attends, comment ça Fiora? Mais quoi? Ah non, parce qu'au pire je m'attendais à Gwen. Fiora. Quoi? Et Nautilus pour Camillus. Fiora qu'à santé. C'est comment Fiora qu'à santé? Je pense que l'early est pas à nous. Mais quand Fiora va commencer à avoir des items, c'est sans retour. Maintenant, l'early normalement ça va se tenir. Bordel les gars. Et si Ragnar fait un solo kill, mais là frérot, j'enlève mon t-shirt. C'est une compo, on a une compo 1-3-1 là. C'est plus Fiora seul en speed push. Ouais. Qui va essayer d'attirer le Ragnar qui sera lui plus utile en team fight. Un KCT. Ragnar, ouais. Enfin, pardon, moi, mais je suis déboussolé. KCT c'est extrêmement fort en team fight donc on le veut pas. C'est trop bien. Nikov fait la 1000 pancartes à la seconde. Ouais, de fou. On le veut pas en face. On le veut pas en face regroupé donc l'idée de Fiora ça va être de le séparer. Oh, le watch time sur Nikov. C'est parce que c'est vraiment un ultra beau gosse. C'est vrai que Ragnar, c'est un ultra beau gosse. Fait Ragnar, il tire par les couilles. GG, non, mais frérot, tu sais que Ragnar il est trop fort sur tous les champions. C'est à dire que les gens sont habitués à la réputation du ouais, il a un Sion, il a un Horn. De toute façon, tu verras ses scrims. Après le truc c'est que là on va avoir un peu moins effectivement de tankiness. Après on a Nautilus, on a quand même Rell. Oui mais c'est vrai. On a de l'engage. On a quand même on a du DPS. Ouais. Il y a tout dans cette game. Et on a du clear wave. C'est un super bon d'avoir du clear wave pour vraiment dépasser les... Est-ce que du coup de cette game là on va pas essayer de mettre plus de ressources sur la top lane plutôt que focus la bot lane comme on fait d'habitude? Ah mais le problème c'est que ça peut être suicidaire si en face Kalis se flip tu vois. Donc on peut pas ignorer. Et est-ce qu'on va mettre Ragnar devant? Les amis, c'est à lui d'y arriver tout seul. Les amis, c'est à lui d'y arriver tout seul. Les amis, mesdames et messieurs. Allez Ragnar. Les gars, vous devez être grands aujourd'hui. Je sais, il a porté ses couilles. Il va y avoir une pression, vous allez entendre les fans. Il a pris ses responsabilités Ragnar. Faut être un grand joueur aujourd'hui. C'est maintenant. Et derrière, ça va jouer à 4. Ça va faire un bloc pour laisser Ragnar pousser tout seul. Peut-être faire même du 1v2. Oh, et on démarre sur une pause. Normal, il y a trop d'énergie, il y a trop d'énergie. Y a trop, là. Je crois qu'on veut refaire, finalement on va pas prendre Fiora. Alors là c'est mort. on m'a vendu du rêve. Oh bordel. Les deux drafts sont tellement bonnes. Waouh, les deux drafts sont vraiment parce bien. Parce que même, on l'a pas dit, hein, mais Rakan il rentre bien, il rentre bien pour aller chercher le Varus derrière. Ouais. Pour aller justement gérer. Mais là t'es pas où, tu dois jouer Varus. Aller chercher le Varus. Tu dois jouer Varus. C'est trop dur. Contre vie et tout. Ouais. Oh, c'est dur. Tac. Ouais. La Cleanse, il est forcément, je pense. Bah, je pense qu'il a fait Cleanse. C'est pas ouf contre leur combo. Parce que Cleanse, ça n'a rien contre Azir. Cleanse, ça n'a rien contre Vayne. Ouais, ah, ça n'a rien contre Vayne? Non. Ah ouais, bah. Bah en fait, si, en fait, elle te tue, tu tires, tu cleans, tu peux bouger un stand. Ouais, mais c'est bon, naze, c'est pas. Non, il a c'est pas ouf. Sprint, c'est malin. Ouais, il a fait Sprint. C'est malin, c'est malin. Par contre, en face, bien sûr, Cleanse. On a Nautilus qui a 3 contrôles. Donc un slow, un stun, un grab et un ulti aussi qui bump. On a Rell qui a 3 contrôles. Et on a Wei qui peut suivre avec un Fear, avec du coup un stun ou le fait d'une sorte d'onde de choc qui ramène. Attends, pourquoi il y a aussi du stop? Ok. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup notre compo. Beaucoup d'engage, beaucoup de contrôle. Faut juste tenir en lane. Tenez en lane, on sort de la lane égalité et on sait normalement mieux jouer sorti de lane. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous voulez plus de son du jeu. Sachant que le son du jeu, les gars, putain, j'arrive plus à parler, est relié au son du. De l'ambiance de la salle, c'est-à-dire que vous pouvez pas avoir le son du jeu plus fort et pas la salle. C'est d'accord. Ça. Il me semble, hein. C'est un seul flux. Ouais. Tranquille, les gars, qui va essayer d'être un petit Q-spell à Vladi pour lui souhaiter bon courage. Il y a pas d'invade, voilà, on va essayer peut-être de lui mettre un Q-spell, ça va pas passer. On va aller mettre la ward, Non, on a mis la petite wave dans le camp. Si jamais on arrive justement à avoir la vie,
Le passing qu'a fait justement au début pour un peu anticiper justement ce qu'elle va faire. Ça fait 4 semaines qu'on parle de ce duel au mid. 4 semaines que j'attends ce moment. Après, c'est deux très bons mid, tu vois. Ouais. Qu'importe dans le camp où t'es, c'est deux très bons mid. Totalement. Vladi, il y avait des gens qui étaient un peu hésitants. Il a fait complètement ses preuves. Moi, je t'avoue que je suis fan de son pool de chambre. Je suis un peu fan du pool de chambre de Vladi, j'aime bien. Maintenant, je suis fan aussi de l'expérience d'EK et son sérieux qu'il amène. Et voilà, il vient tout de suite poke. Hein. On voit les trois lanes. Alors, avantage top et mid pour nous, bien évidemment, c'était le but. Et avantage du coup pour casser Blue en bot lane pour le moment. Sachant que les junglers devraient arriver d'ici 1 minute 30. Alors, on a sauté. Ok, on va aller quand même faire le red buff avant pour Rel. Et ouais, juste après, on ira peut-être mettre un peu de présence bot side. Peut-être. Donc par rapport au son, baisse le son, machin. Alors dites-vous les gars, je pense que le son de la salle est pareil qu'hier. Mais je le peux son pas, ce que je vous dis, moins de son de salle, plus de son de jeu, je peux pas, c'est le flux qui nous envoie les gars. Ouais. Donc à partir du moment où je peux monter les deux d'un coup, mais pas baisser l'un. Là, le son il est pareil qu'hier, c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'énergie. C'est juste que les gars, là on joue contre cassé, il y a forcément plus d'énergie. Ouais, en plus, il y a tous les autres fans, dites-vous, tout le monde est resté, genre tout est complet. Tout est complet, ça peut vous rassurer. C'est le dernier match. On n'entend pas le son du jeu non plus. Pour vous rassurer les gars, monte le son de vos voix. Ça je peux par contre, je peux monter un petit peu. Ah, désolé, on part tous en même temps, on est excité, mais là c'est un match qui dépasse l'entendement. Il y a une grosse pression pour les deux équipes et puis on avait envie surtout de le voir exister ce match. Et nous on souhaite une victoire, donc on va œuvrer. Attention, premier engage pour Rakan qui va venir un petit peu DPS sur Camillus. Camillus qui temporise, qui fait bon son job. Un bon trade de la part de Bao sur Caliste. Qui répond tout de suite. Qui en a profité pour mettre pas mal d'auto-attaques. Je déteste Rakan, je trouve ce champion trop. Alors fort, que là, on vient utiliser l'avantage Ragnar de Ragnar pour aller chercher un 2v2, c'est inattendu. Et j'aime beaucoup White qui vient prendre ses responsabilités pour faire flash out. Allez, on va la faire flash. Okay, on va la faire flash. Attends, on va revenir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, ça passe. Il est mort. Non, non. C'est un tic. Allez, mon gars. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est un first blood sur Nautilus, mais on prend. On chope directement. Du coup, l'assist sur Bao, écoutez, on prend le first blood, les gars, on va tout prendre cette game. Mec, c'est tu sais ce qui est ouf, c'est que White. Comment je mets le match? White sait que la vaille est au top side parce qu'elle vient le counter jungle, vu qu'on savait qu'elle avait juste fait son jungle en entière. Parce qu'on a Ragnar qui peut venir et on est sûr que bot c'est du 2v2 et non, on l'utilise tout de suite. Attention, attention là, Eka, à pas se faire choper. Attention le back, pas grid sur un back. Voilà, on a la ward, on l'a vu tout le monde. Je suis pissé dessus, les gars, je crois que j'ai renversé. On a vu par contre. Tu t'as renversé sur toi? On s'en bat les couilles. T'inquiète, c'est pas important. Alors attention, du coup, on va se faire ward. Tant que c'est chiant parce que du coup, ça retarde le back le back de Ika. Et je pense qu'il va devoir aller faire une wave. Attention, justement, à pas donner une opportunité peut-être à la ville pour. Le grab, il est pixel, il est bien. Et là, tu vois, il sent l'opportunité. Hop, il met le smite. Il met l'ignite. Et s'il est fini, dernier tick. Je pense que ça joue un tick là. Ouais, dernier tick. Attention, là, il peut y avoir une escarmouche encore. Comment même sur Varus, il peut m'impressionner. Voilà, après c'est surtout Camillus qui a... Bien sûr, mais bah oui. Non, mais commence à avoir une énorme cohésion les deux. Non, je trouve que les deux commencent à avoir une synergie. Parce que les gars, pour suivre un coréen comme Bao qui est très agressif, etc., c'est dur pour un support. C'est ça, c'est comme vous l'a dit, les coréens, ils ont une avance en fait dans le jeu, ça se voit. C'est une autre vision. C'est pour ça qu'on voit que c'est Kalista devant tout, machin, à chaque fois. C'est-à-dire que nous, on est en mode... Il allait en frontière. Ouais, bien sûr. Et tu sais, au début, quand t'as commencé à cacher, je t'avais dit que TP reprochait qu'il n'y avait pas de bon lichard là, il boss au top. Attention quand même, parce que là il y a les coups de tour. Oh là là. Heureusement, il a pas tapé. On a déjà pris deux plaques. Oh là là. On a déjà pris deux plaques. On a beaucoup de CS. Attends, prends la plaque, frérot. Ça va pas. Le truc, c'est qu'en fait, on sait pas où est la vie, je pense. Non, mais j'avais peur que les sbires la prennent et qu'ils sortent de la reine. Ah, oui. Mais il est plus malin que moi, il savait que non. Attention, il peut avoir un passage niveau 6. Il peut avoir une partie sur une pariale qui peut partir. Et là, on va aller faire les larmes, mais il y a peut-être Cassanté. Et surtout, il y a Cassanté qui a l'air de nous gêner. Il y a Lazir aussi qui décale. Ils vont faire le Drake et en plus ils vont venir nous gêner. Ils perdraient trop de sbires sur leur lane. Et là il y a une wave qui va crash. Par contre, après la wave qui crash, là il peut avoir un timing où il peut venir faire chier la rel. Non, c'est bon, il va l'avoir. On va avoir nos petits trucs. Je suis très content de les avoir, je vous cache pas. Ouais, je suis très content en général, quand on les a pas, ça se passe pas très bien. Je suis très content d'avoir les larmes. Voilà, sur une Tura, c'est très bien les larmes. Oh, attention, le très bon move encore une fois de Vladi, mais sauf que là ça va être un 2v2 tour. Oh, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime pas Vaille. Parce que dès que tu flash out, il y a plus rien. Il lui a donné envie, il lui a fait croire que c'était un bon move. Il a fait croire, il a pris la part sur un palier. Attention quand même. Le bounce. On prend. Mais Eka, il était pixel. Pour l'instant, tout le monde est parfait dans la game. On continue, les gars. Et on vient d'aider. Vas-y, Bao. Cartier.
Non, là c'est trop les frères. Là votre équipe on elle vous est. Là, là, c'est trop, là c'est trop. On vous entend pas. Mais, hey, Brox, va avec on le public. On vous entend pas. Va avec le public, Brox. Oh, oh attends, on est de prendre la couronne, mon frère. C'est le Brox de début. On est de prendre la couronne, mon frère. C'est mon équipe, ça. Ouais, oui, oui. Merci, putain. Merci pour tout. Mes frères, je kiffe leur play sale. Les gars, Brox, Brox, on a perdu. On est pas sur la rue. On est pas sur la rue. Il a 18 ans, il est en stream là, les gars. C'est pas sur la rue ici. Calme-toi. On est venu tout prendre. On est parti sur leur golem. On est venu tout prendre. On est parti sur leur golem. On est venu tout prendre. On part sous leur tour. Vous voulez prendre tranquille. C'est l'early, tranquille. Eh, peut-être ici c'est chez vous, mais dans la game c'est chez nous. C'est chez nous. Dans la game c'est chez nous. Je trouve t'es un peu retard sur la tempo, mais allez. Dans la game c'est chez nous. Allez, on focus. On continue, c'est très bien là. On est très bien pour l'instant, mais incroyable. J'ai encore oublié contre qui on joue. Allez, cassez. Allez, allez mon frérot. Allez, un match c'était long. Un match c'est long, impression chaque moment. Moi c'est même pas la question de gagner ou quoi, c'est la manière. Je vous jure que je m'attarde sur la manière. Impression chaque moment, les gars. C'est trop bien réalisé. C'est du counter jungler, c'est trop bien réalisé. C'est parfait, c'est... ça c'est travailler à l'entraînement. En fait c'est même pas des erreurs adverses, c'est ça qui est bien. C'est qu'on prend des kills sur des trucs que nous on provoque. C'est pour ça que moi je kiffe. Et parce qu'on a pris cette draft pour faire ça. Il y a une logique dans notre jeu et en plus ça se passe bien. Mec je kiffe. Et en fait ce qui m'a vraiment mis bien c'est le move de White. Parce que dès que je vois White dans la game, je me dis que ça va aller. Et là, White, sur le premier intervention bot, c'était nickel. Non, c'est très bien. Et le revoilà, le White, ça va être à 3v3. On a encore une fois le timing bien sur l'arrivée de l'incarnation de Savail. Attention, on va nous engager, on a l'avantage, on a les dégâts, on a pas OK sécurisé. On a pas OK sécurisé. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a les CC, on a les contrôles, mais on a les dégâts. On a tout ce qu'il faut. C'est pour l'instant un stomp. C'est pour l'instant un stomp, mesdames et messieurs. Ça commence à être embêtant. Ça commence à me gêner. Ça commence à me gêner. C'est le match of the week ou... On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. Voilà, dites-nous. Allez les gars, faut pas lâcher, hein, faut pas lâcher. Pour l'instant, la landing phase. Rappelez-toi ce que je t'ai dit, hein, si on sort la landing phase à égalité, on est normalement un peu mieux armé pour jouer la suite de la game. Là, c'est pas égalité là. Et là, c'est pas égalité. Mais voilà, ils ont quand même pris un Drake, on a pris les larves en contrepartie. Pour l'instant, on a un net avantage de gold. Mais c'est League of Legends, les gars, c'est League of Legends. Pour l'instant, c'est... C'est un early game qu'on maîtrise plutôt bien. On a ça, vu des. C'est très bien maîtrisé. Attention parce que Cassé les gars, ils sont pas pour rien en 5-2 actuellement. Ils ont fait 5-2, 5-3. C'est marqué en 5-2. Ils ont montré des bonnes choses, ils ont fait des comebacks incroyables. Faites attention quand officiel. Même les gars. J'ai c'est un match League of Legends, rien n'est fini. Oh, directement l'engage. Et ça va reprendre un kill. C'est reparti. Bah, oh, et c'est reparti. Bah, oh, je t'aime. Voilà. Avec Camillus qui fait un mais gros. Mais non, mais là, c'est Camillus, je t'aime. Je sais. Attention, l'Afshiro au top. L'Afshiro au top qui est tranquillement. Non, c'est pas un solo. Je vais enlever le t-shirt, je l'ai dit. Oh non, on fait pas de solo kill, mon frérot. Ça va aller, okay, on va pas... se prendre un coup de tour, on va se prendre un coup de tour, mais actuellement, on le met quand même bien, ça les gars. Ça devient gênant là. On met quand même bien. Non, là, ça devient gênant. On a un peu l'avantage de kill, voilà. Là, ça devient gênant. On met 13 CS au top. Non, mais là, ça devient gênant. C'est le scénario parfait, je suis désolé, hein. C'est le scénario parfait pour. Attends, mais Cassanté qui est obligé de back, il a pas de TP. Hein. On va pouvoir aller chercher encore plus de plaques pour la Fiora. Avec les larmes. Ouais. En plus, ça va pousser. La Fiora va être énorme. Attention, attention, il a été ping. Le top a été ping. Peut-être une cover de la part de la Vibe. Le Cassanté revient en arrière. Attention, là on peut le catch peut-être. Ouais, parce qu'il est bien agir, c'est dur. Il y a une virgule. Par contre, du coup, il peut avoir un mouvement. On a vu le Nautilus par contre qui était là. Par contre, il va prendre les doubles larmes, ça serait incroyable. Et la Fiora qui va back. Il peut pas. Le Cassanté il est trop derrière. Il peut pas. La Vibe est en train de back. Ils ne peuvent pas. On est chez nous. Actuellement, on est chez nous. On est actuellement à la maison. On va avoir les 6 larves, donc ça va pouvoir conforter notre avance et surtout nous permettre de pousser encore plus les tourelles jusqu'à peut-être casser les premières tourelles. On récite notre leçon. Maintenant, notre prochain vrai objectif, alors il y aura le dragon qui va apparaître. On a les 6 larves, les gars. Mais ça va être surtout le Herald. Le Herald, il va nous le falloir. Voilà, la Fiora de Ragnar, elle est en avance, mais là, c'est trop là. Attends, on va prendre la first love. Bah ouais. Mais les gars, il s'est pas joué que des tanks. Arrêtez de dormir sur Ragnar Tank. La Fiora est très big. J'ai juste que c'est un pic risqué dans ce genre de. Voilà, il attend un peu les gars pour lui. Ouais. Alors, pour lui deny des CS, pour lui deny des coups d'écrit, pour lui deny de l'XP, pour qu'il perde de l'XP, etc. Les gars, allez, on continue, les gars. Il y a, on récite un gang de White au top. Hein? Non. Pas eu, à part l'Invade, il n'y a pas eu de gang non, de White. Attends. Il pourra pas s'échapper. Le flash. Non, ça va être. Il faut protéger. Oui. Attention, les gars. Attention, on peut encore. Langage, on se bat un kill. Allez, voilà. On se gagne un flash. Il sort. On est chez nous. Mais il sort d'où? On est. Il est venu comment? Nous. Il est parti quand, la top lane? Et on va prendre le Drake directement ensuite, les gars. Mais les gars, on est partout, c'est maîtrisé.
C'est un stomp qu'on a proposé. Qui, une fois qu'il a récupéré sa tourelle, avait déjà enclenché le déplacement sur la mid lane. Et Kaka, encore une fois, bait avec son expérience, qui a pris les coups pour que White vienne temporiser, pour que Bao finisse son move avec Camus botlane et vienne aider. La Gentlemate joue ensemble et ça, ça me régale. Ils sont soudés, ils sont soudés. C'est une équipe que je commence à vraiment aimer dans le style. Le move par d'ici finit sur notre top laner qui est en train de tuer le mid. Non. Regardez, il a déjà enclenché. Il décale déjà, Fiora. La macro est déjà. Regardez, ils ont tout mis sur Eka. Eka s'en sort, on prend le kill. L'expérience d'Eka. Oh mon dieu. Et en plus, on tue Vladi. Regardez, Ragnar qui arrive en mode coucou, mon pote. Oh là là, mon frérot. Coucou, attends, je te découpe. Waouh. Bordel. On a la même Fiora, lui et moi. Blagué. Allez, les gars. Alors après, j'aurais trop aimé voir qui a pull le Drake. Tu penses que c'est Rakan sans faire exprès ou c'est carrément non, je crois que c'est Rakan, il a voulu la dash et je crois que c'est soit c'est l'ulti de Nautilus qui a touché, non, je sais pas si c'est je pense c'est son bump. Je pense que c'est son bump qui touche le Drake. Peut-être. Si c'est ça, c'est un peu moins stylé, mais si tu dis que c'est Bao qui a, tu sais, genre en mode ah, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien aussi. Si quelqu'un a l'info, peut-être quelqu'un a ulti Nautilus, bravo. Nautilus. Et donc en fait, du coup, c'est nous, c'est grâce à nous. On a pull le Drake pour qu'il le tue. Ils sont les Carmine, je sais pas, je crois qu'ils sont partis. Ah non, ils sont un peu là-bas. Ah, ça a perdu des décibels. Ah, ça va, frérot. On se fait tout le temps tailler, etc. On peut se venger. 8-0. Attention Ragnar. Ça va être du 1v3. Tranquille, c'est beaucoup de ressources. Ouais, il va laisser. Beaucoup de ressources. En tous les cas, il avait bien rien. Joué, tranquille. Bien joué quand même à eux. Tranquille. Ça débloque le compteur. Heureusement pour nous, le team n'est pas sur Azir. Tranquille, mais il se passe des choses du coup de l'autre côté. Voilà. Parce que maintenant, on a la confirmation qu'ils sont trois. Ils ont oublié d'abandonner les plaques. Bien sûr. Et regarde, il nous reste une minute parce qu'à 14 minutes, il n'y a plus les plaques. Donc là, en vrai, techniquement, ça va être équivalent. Ouais, après, regarde, on va Ragnar back. Aller, je crois qu'on va pas y aller. Non, pardon, on a vu la rel se barrer. Donc en fait, là, ils savent, botlane, qu'il n'y a pas de tower dive de possible. Non, rien pris. Donc on va rien prendre dessus. Ah, tranquille. Ça me régale. Allez, ça va il back. Régale pour le moment. Et du coup, c'est Eka qui va au bot. C'est le défaut de jouer un top laner qui a pas de flash. Tu vois, t'es toujours un peu plus vulnérable. Mais du coup, ils sont venus. Attention, il avait utilisé son ghost. Il avait utilisé son ghost au mid. Mais du coup, ils sont venus en bourrin pour prendre quelque chose. Là, il a grid, il a voulu prendre le camp. Ça, c'est osé. Et c'est plutôt bien maîtrisé, le flash de Mao, peut-être que ça peut suffire. Et l'ulti, il a eu l'ulti. Et du coup, on va peut-être prendre deux kills. On va prendre deux kills, mon grand. Ne bougez pas. Venez. Vous êtes con ou quoi? Bao, merci pour la tempo. Très bon flash out, très bon ultimate qui, du coup, c'est tellement pixel les flashs. Permet de récupérer deux kills en face, le jungler et le mid laner. Et là, Vladi, on va avoir un Herald. Obligé d'aller sur des Mercury tellement on a de contrôle, ce qui ralentira son burst. C'est ça. Parce qu'il aura moins de pénétration magique. C'est super. Là. Et regarde. Herald. Je vous l'ai dit quoi il y a deux minutes. Notre objectif prioritaire, c'est l'Herald. Parce que maintenant, on va vouloir casser la tourelle du mid. Tu vas voir. Hein. Là, on va pouvoir viser la tourelle du mid, casser pour que le Azir ne puisse pas vraiment rentrer dans cette game. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Gentlemate stratégiquement. Ah, les gars, il vit le truc là, il est redevenu joueur sport. Je suis depuis tout à l'heure, vous inquiétez pas. Ah, t'as déjà plus de voix. J'ai plus de voix, j'ai perdu ma voix. J'ai tout donné dans ma voix. Rizzo, tout donné. Tu peux me remplir s'il te plaît. Ah, désolé les amis, là on fait du ouais, ouais, les gars, parce qu'on donne tellement. Et tout. Forcément, il y a une pression, il y a une chaleur quand même dans la salle. Il y a une tension, il y a un truc. Là, le match nous donne chaud, les gars. Forcément, il y a une pression là actuellement qu'on est en train de dominer. Mais c'est un match de League of Legends. Allez, les gars, pas de bêtises, c'est ça, faut pas avoir peur de la victoire. Là, c'est le moment où on est censé être fort. Tu vois, 14-15 minutes de jeu, c'est le moment où on sait ce qu'il faut faire. Je rappelle qu'on a une équipe en face expérimentée, les gars, même s'ils savent jouer derrière. Bien sûr qu'ils savent jouer, carrément. Je rappelle qu'on a un Herald qui va falloir au bout d'un moment le déclencher sur la mid lane. Peut-être qu'on va essayer de chercher quelque chose en avant. Non, alors pourquoi il va falloir casser la mid lane? Déjà, je vous l'ai dit, pour gêner le Azir qui, du coup, a été renvoyé bot side pour farmer tranquille. Et parce que ça va nous ouvrir encore une fois la vision sur leur jungle, et du coup on pourra avec Nautilus dans un second temps prendre la vision de la jungle et ensuite du coup jouer dans leur jungle, mais on pourra jamais la jouer dans leur jungle tant que la team mid là, les gars, cassés sont très derrière, ils vont tenter des hero plays, ils doivent tenter des trucs un peu sortis de nulle part. S'il y a des opportunités, ils vont essayer de les saisir instant. Des fois, comme le truc qu'ils ont fait là sur Bao, c'est forcé, ils sont obligés de tenter des petits trucs comme ça, des plays forcés où ils se disent peut-être qu'on a un petit timing où on peut le 100-0 et réussir à s'en sortir. C'est ça. Là, notre équipe, ça a bien joué. Ragnar qui devrait normalement pouvoir tout venir. Ragnar qui va laisser, il va laisser. Reste Fiora qu'à santé quand même. Pour respecter Fiora, alors bien sûr la tourelle, on va l'abandonner, mais rien de plus. Et ça trade en bas, regardez. On voit Ekala qui va aller prendre la tower bot. Qui gagne pour l'instant, je comprends pas. Alors, il y a plusieurs indices. Tu vois, en dessous du 10-2, il faut une bonne rotate. En dessous du 10-2, tu vas passer sur 3K à gauche, ça te donne l'avantage. Bonne rotate là de la part de Cassé. Et bah ouais, en deuxième item il a fait la j'allais dire Banshee, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle en AD. Sur Tekton on l'appelle le GA. Le voile c'est ça manteau de la nuit, c'est ça. Ouais.
Donc justement, merci beaucoup. Justement, là, parce que là, il y a beaucoup de spells à deny malheureusement. L'Herald qui va aller cogner cette tour. Attention, attention, parfait, la partie parfait. Parfait. Voilà. Alors, on va peut-être essayer de gratter quelque chose de plus. Oh, voilà, je l'ai dit, je l'ai senti, je l'ai vu dans White. Je l'ai vu dans White. Allez, et là, Vladi qui vient peut-être sauver. Okay. Non, mais il a plus rien, Vladi. Hein. Il a plus rien pour défendre. Attends, attends, attends. Voilà, le grand voilà, on va prendre la tour. Dans les yeux de White, oui. Il avait que ça en lui. Non, les gars, vous n'arrivez pas à nous endormir. Ils n'ont pas senti, vous n'arrivez pas à nous endormir. La game est maîtrisée, vous inquiétez pas. Ils n'étaient pas prêts. On sait ce qu'on fait. On sait là, ce qu'on c'est fait. Maîtrisé, on ouais. garde notre avantage. Ils on engage au bon moment. Et finalement, ça se transforme sur deux kills, deux tours. On va enchaîner directement sur le Drake. On est bien. C'est on maîtrisé. Est très très bien. Waouh. Et voilà, le Drake, le deuxième Drake qui a été pris par nous. Un Drake partout. On a les râles, pour l'instant on contrôle bien la map, on contrôle bien le jeu. Il faut juste continuer. Pas au pire de. Oh là là, mais l'engage de la reine. De toute façon, les gars, Doug l'a toujours dit, dès qu'on est ensemble, on est trop fort. On est trop fort. On a une capacité de teamfight qui est insane. En teamfight, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Ouais, tout le monde va banrel. Sa reine, elle est vraiment énorme, les gars. Sûrement. Par contre, j'ai bien aimé qu'on. Amusez-vous, les gars. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. Profitez du moment, les gars. Profitez du moment. J'ai bien aimé que pendant la saison, on a quand même tenté d'autres compos. Pour prendre de l'expérience, quitte à nous faire avoir des défaites. On a montré aussi qu'on sait tout jouer. Bah, on sait. C'est ça. On sait tout jouer. Et du coup, pour les bans adverses, c'est plus dur. Et ça va nous servir sur les playoffs, sachant que ce style de jeu-là. On est pour l'instant, je pense, les meilleurs en LFL dans ce style-là. Je m'engage. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça dans LoL. Et attention, mais pour les playoffs, si on y arrive, attention, ça je pense qu'il va se faire all-in. Hein. Il va essayer un all-in, Vladi, je pense. Et est-ce qu'il a son flash? Il a son flash. Il peut répondre. Sois malin, mais là, ça va être compliqué parce qu'il est en 1v2. Peut-être un flash sur la partition. Il a été obligé de flash un peu plus tôt. Du coup, il va tomber avec Rakan. Il va tomber. Il a le temps de jump in. Mon père est qu'à shutdown sur le shut Azir. Et derrière, peut-être ça va bouger tranquillement. Va falloir quelque chose ailleurs, les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire? On reprend la vision tout autour du Drake, on vient déjà de le faire, donc ça sert pas vraiment. Non. On va aller plutôt justement essayer de chercher sa bot lane. Non, là ils ont été attention, bons. Faut faire attention à pas trop commit, pas aller trop non, loin. Non, mais le Rakan il est arrivé. On l'a dit pour... sur attends, Rakan, mais comment genre. Rakan il est arrivé sans qu'on le voit? Regarde toutes nos wards de top. Bah, je sais bien pas revoir. Par où il est arrivé. J'aimerais bien revoir, effectivement. Il a pu passer que par notre jungle, non? Mais même, mais je sais même pas, après, regarde les wards. Ah, mais j'avoue, c'est. Non, parce que là il y en a qui viennent de disparaître. Ouais. Il est passé par où? Après, ce que peut-être on aurait pu économiser, c'est le flash. Sachant qu'on était sûr de mourir en se disant. Ah, pas sûr, parce qu'en fait il s'est dit, j'ai un timing où il va. Le truc impérial, partition impériale. Mais il l'a pas à fait. Ce moment, il est pas bête. Ah ouais. Ouais, il l'a pas fait. Mais du coup, s'il le faisait à ce moment-là, c'est pas très mal. Bien joué. Il l'a dit très bien, je vais temporiser. Oui. Là, c'est vraiment, ça s'est joué. C'est quoi la vision pour ceux qui demandent, les gars, sur la petite map là, vous voyez en dessous notre cam, justement les wards posés pour chaque équipe et la vision que ça donne. Et en fait, je comprends pas, c'est quel pattern a réussi à faire le support. Il a fait un passage pour que. Pour qu'on le voit pas, parce qu'en fait, tout était wardé. Et c'est pour ça que je pense que Eka ne s'attendait pas à. C'est pour ça qu'il a avancé aussi haut. C'est pour ça qu'il a avancé aussi haut. Il s'attendait peut-être à qu'on la donne dans un push. Il avait une bonne vision, donc il était en confiance. Ouais. Ça l'a libéré, alors qu'en fait, ça a été plutôt. Pas le cas. Très très bien. Si vous voulez un peu d'indices, parce que là je veux parler vite fait de l'interface, il y en a beaucoup qui nous montrent est-ce qu'on est devant, pas devant. Vous avez plusieurs indices. Déjà tout en haut, vous avez 12 kills à gauche contre 3 kills, ça vous donne un peu une indication, mais ça veut pas tout dire. Juste en dessous de ça, vous avez plus 4, plus 5k gold là. Ça c'est la vraie indication, ce qui vous dit quelle équipe exactement. Domine en termes d'économie, ce qui fait quasiment tout sur LoL. Même parce si après l'économie, c'est ce qui nous permet d'acheter les compositions. Voilà, c'est ça. Et même plus si vite t'as des items, plus t'es fort. Plus t'es fort. Voilà. Donc là, on a 5000 gold répartis sur notre équipe en avance sur eux. Et ensuite, si vous voulez le détail de 5000 gold, vous regardez les stats en bas et c'est au milieu. On a plus 1,1 sur Fiora, on a plus 0,6 sur Rel. Attention, on a par rapport voilà, à son match-up, bien évidemment. Par rapport à ce qu'il y a en face, vous avez compris. Notifus qui a loupé son grab, mais du coup, on va continuer quand même l'engage. On fait quand même des bons dégâts, on va continuer. On va peut-être faire un doublé. Y'a pas Caliste. Y'a pas Caliste. Qu'on y va. Est-ce qu'on peut tenir la flèche? Mais y'a pas bien sûr. Mais ne doute jamais de Baron. Mais je doute pas. Ne doute jamais de Baron. Mais c'est Baron. Là je me mets juste à sa place. Quand est-ce qu'elle est partie? Mais y'a plus de parcours. Maintenant c'est vrai. Maintenant on va faire le nage directement. Baron, prends mon appart. Prends l'appart de Gotha. À vie, un contrat à vie. Prends la part de Lucas. On mais te oui. donne tout. Donnez-lui tout, les gars. Donnez-lui tout. Hein. On te donne tout, mon Bao. Non, mais donnez-lui tout. Non, mais là, tout le monde joue bien, tu vois. Là, Camillus vient de louper son premier grab. Et encore, dans tous les cas, c'est pas trop grave parce qu'après. Il a surtout voulu anticiper un truc. Ouais, il a voulu anticiper la vie. Il a voulu anticiper la vie. Et on prend le nage directement. Et là, on va avoir, les gars. On va s'envoler niveau gold. Là, il a voulu anticiper la vie. Voilà. Bien joué, les réflexes là. Et là, du coup, la reine qui suit directement. White qui prend ses responsabilités, les gars. Il a pas peur. C'est rookie de notre équipe, mais il est là. White, il est énorme sur sa reine. Énormissime. Et là, la flèche, maintenant, les dégâts qu'il a. Maintenant. Bah ouais, forcément. Les dégâts qu'il a, c'est insane. Mais oui, voilà, Baron content. Mais bien sûr, tout le monde content, c'est mesdames ça. Et messieurs. Allez, les gars, c'est une game maîtrisée. On la scroll pas. Le sourire de Baron, ça me régale. On s'est pris une tarte contre TDS où on a scroll une game à peu près avec cette avance-là. Mais pas la même compo.
pas la même compo. Mais pas c'est la même vrai compo, quand même que. Mais du coup, voilà, là les gars, faut pas avoir peur de gagner. Et là, attention, parce que là, il y a un rabadon sur Vladi. Power c'est, Spike. Power Spike de son perso qui est Azir. Il va faire très mal. Là, il va faire très mal. Mais une bonne partition impériale, on a du contrôle, on a de la tankiness. On est gênant, on a du poke aussi. Oh le drop sur le Azir directement, on va l'ulti. Mais est-ce qu'on pourra aller le chercher? Non, normalement, on pourra pas le chercher. Il a du dash attack derrière. Du coup, il peut pas nous attaquer avec sa grenade, une bonne partition impériale. C'était l'idée de Camillus. Plus tu fais d'ajout de l'Azir, moins il te rentrera dedans. Là, on va prendre le bot. On prend du coup la tour au bot. Le 1-4. Qui est un énorme pusher. C'est parfait, les gars. C'est parfait. T'as pas besoin d'être un premier, t'inquiète, on te croit totalement. Mais effectivement, ça valide ce que t'as dit au tout début de la game. C'est le 1-4. C'est pas pour intérêt. C'est pas pour intérêt. J'ai envie de bloquer. T'as rien à prouver, mon gars. Je sais, mais j'ai envie de bloquer. Et là, attention, attention à une engage. Hein. La vie qui essaie de se préparer justement pour trouver l'engage. La vie, si elle rentre dans le tas, les gars, elle se fait exterminer. Nous, on doit mettre la pression, les gars. Faut mettre des dégâts par-ci par-là. Là, on va aller jouer le Baron. On va aller jouer le Drake, On va aller jouer le Drake. C'est, ça va être ils vont être obligés de nous laisser, je crois. Ils vont être obligés de le laisser. Ils vont être carrément obligés de le laisser. Mais ils ont ping quelque chose. Je sais pas ce qu'ils ont ping. Pourquoi ils ont ping notre jungle? Peut-être pour prendre de la vision, parce que vu qu'on a. C'était là. On a très peu trait dans cette zone. Ils savent qu'il n'y a pas de ward. Donc s'ils viennent prendre la vision, ils peuvent nous trap. Et c'est le seul moyen quand t'es à ce point-là derrière de. Gagner du temps, bien c'est sûr. Faire des traps, d'être dans un endroit où tu t'attends pas. C'est ce qu'il va essayer de faire avec Vaera, Kanin, mais je pense que c'est trop greedy parce que Fiora, ils peuvent rien lui faire. Là, Fiora, elle est 1v2. Fiora, est un, oui. Fiora, elle est 1v2. Les gars, je te le dis, Fiora, elle est 1v2. Fiora, elle est là actuellement, mais vous êtes des grands malades. Elle a la Trinité, elle a 2k d'avance. 2k3 d'avance. C'est fini. 2k5, ouais. 2k5, très fini. Trinité, ouais, le nouvel item, là, trop fort. Ferme la dernière fois que tu as dit faire, c'est fini, frérot. Hydrevora, c'est bizarre. Elle est bien. Les gars, c'est League of Legends, on est très bien. Les gars, on a vu des équipes remonter, mais s'il y a bien une équipe qui peut remonter, clairement, nous on a le respect quand même, les gars. S'il y a une équipe qui peut remonter, ils ont fait, la game d'avant doit me servir de leçon. Ils ont fait un comeback, ils ont fait un comeback. Et contre TDS, frérot, ils ont fait un comeback. Devant leur Nexus limite. Oui, mais c'était parce que là, en gros, on a beau être les adversaires du jour, les gars, faut quand même respecter. Le prochain dragon est là à nous, le prochain baron est là à nous, on est même pas obligé de les fight pour gagner. Je sais pas ce que je veux dire. Oui, juste à avancer. La dernière fois, il fallait faire des trucs un peu techniques. Là, il y a rien. Je sais même pas s'ils vont attendre le 4ème dragon. On a encore le Nash pendant 20 secondes. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de soulever cette tour? Ça va être compliqué, je pense. Fiora qui va aller au top contre la vie. La vie qui est cachée d'ailleurs. Là, c'est un timing. La vie qui est cachée, mais elle est toute seule. Hein. Attends, mais elle peut faire quoi? Elle est malade ou quoi? Attends. Mais elle est folle. Ah, il est TP derrière. Là, je dis, c'est le moment compliqué pour nous. Hein. Là, c'est le moment compliqué pour nous. Mais pourquoi Vaille, elle est pas là? Mais je comprends pas ce que fait Vaille. Mais attends, mais ils vont se faire défoncer. Mais pourquoi Vaille est pas là? Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans le bush? Quelqu'un peut m'expliquer ce que fait Vaille? En fait, elle est en train d'attendre que quelqu'un. Non, elle est en train d'attendre que quelqu'un aille push la wave. En fait, je crois qu'ils veulent attendre un fight au top. Ah ouais, c'est ça. Ah, attention, ils veulent. Oui, non, mais en fait, si on va tous au top. Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils branlent? Bah là, ils font un trap comme ils font un trap. Tu sais, à un moment, ils ont fait un fight de fou. Ils avaient Fiora, c'est pas une bonne idée. Sur Fiora, c'est pas. Elle a surtout qu'on peut push. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est parfait, reste là. Mais reste là. Mais dors. Qu'est-ce que? Mais elle a déco, frère. Il y a une déco, stop, mais dépose. Il y a pause là. Mais dépose. Non frère là c'est abusé. Ah c'est bon elle sort, Ah ouais. Bah en fait je crois que là ils ont mal lu la game, ils pensaient qu'on allait prendre le top. En fait vu que c'est la dernière tour qui manque. Ok bon bah mais je suis même pas sûr qu'il la tue hein. Je suis même pas sûr qu'il la tue. Mais mec c'était malade. Mais je t'ai dit, c'est quoi ça? Vous êtes des grands malades. Il est dans le bush pour ça les gars. Non. Mais gars vous êtes des... Comment les gars? C'est quoi ça? Je vous jure que là pour une fois. Non les gars, non, attention, la riposte. Et là la riposte. La riposte des gentlemen. Et attention les gentlemen qui vont aller directement au top. Y'a plus le T-Bite. Donc Bao il est tranquille. Ça va aller normal. Bao il est très tranquille. Bah oui. Attention, on a plus Nash hein. Va falloir quand même combattre. On a quand même pas mal de gold. Non, en fait, je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais le truc, c'est que là, c'est vraiment. Après, c'est peut-être un play all-in justement parce qu'ils sont trop derrière. Ils doivent tenter ça. En gros, c'est un peu comme leur play, tu sais, où ils avaient mis une ward derrière. Je sais plus si c'est en LEC ou en LFL, mais c'est un match cassé que j'avais regardé, qui était intéressant, où le support a tout le temps mis la ward au même moment pour prévoir un fight qui était dans 5 minutes. Et du coup, il y a une TP derrière qui a fait qu'ils ont retourné un fight. Selon toi, et je pense que selon là, toi, on allait monter à 4. En fait, pour eux, je pense qu'ils pensaient qu'on allait tous monter parce que c'était la dernière tour qui restait. Et Vi, elle allait focus et le. Elle est arrivée dans le dos. Et le problème, c'est que c'était Fiora. C'était c'était pas le bon choix. Je comprends mieux. Je pense que c'est ça. Du coup là ça, en fait le problème c'est que ça agrandit, si c'est pas ça, je comprends pas. Là ça a agrandi leur retard qui était déjà grand et du coup ça les aide pas à revenir, parce que là sur ça ils perdent un Nexus. Bon après ils ont tenté, c'est là où faut reconnaître encore une fois je suis peut-être un peu dur parce que non mais tu l'as dit, là ils sont un peu trop derrière, ils doivent tenter des choses mais là, c'est... un peu hors du commun, là c'était vraiment très forcé. Bon attention, je vous l'ai dit, Vi, je suis pas fan les gars. Moi je veux jamais qu'on l'apprenne. Je suis pas fan de Vi. En solo queue c'est trop bien. Hein. Tu connais Vi en solo queue les gars, facile à jouer. Je trouve que les pros savent trop bien jouer contre Vi. Ou alors peut-être des compos spécifiques, mais. Attention à une engage. Hein. Là donc, tranquillement ils sont obligés de reculer. Nous on va push, on va essayer de reprendre un peu tout le contrôle sur les objectifs. Ils sont trop séparés. Regardez, hein. On va essayer de reprendre le top. Et là il y a le baron dans le Nash, 30 secondes. Exactement, Brooks. Et du coup là on veut reprendre la vision un peu partout. Oui.
On essaie de voir s'il n'y a pas potentiellement une engage là. White qui est un peu en train de bait, hein, limite. Ah, il n'est pas là. Attends, est-ce qu'il a une TP? Oui, il y a une TP sur Vladi. Ouais. Et la Fiora, du coup, qui va aller mettre la pression. Les gars, je pense qu'il va y avoir un gros fight au baron. Je pense que ça va. En tout cas, ils peuvent pas nous laisser. Non, mais je pense que ça va finir au baron là. Il a un peu raison, Gotha. S'il nous laisse, c'est quasiment fin de game. Attention parce qu'il n'a pas de TP, Ragnar. Il n'a pas de TP. Et ils le savent. Ils le savent. Donc, c'est un moment où ils peuvent jouer. Il back pour venir avec nous. Il back pour venir avec nous, t'as raison. Il n'a pas de TP, donc c'est un moment où on va être un peu plus faible. Les gars, c'est le seul moment. Faut pas genre faire un truc bizarre, s'il vous plaît. Vraiment, là, on parle de 2 minutes. Il y a 2 minutes. Allez. On se regroupe. Là, on attend Reka. Attends. Après, au final, là, j'ai l'impression, on sait pas. Est-ce qu'on veut le Nash? Est-ce qu'on veut le Drake? Parce que les deux vont arriver à peu près en même temps. Le Nash qui vient d'arriver, il reste encore 50 secondes pour le Drake, mais il est important pour nous. Je pense qu'on va reprendre le contrôle. Camillus peut-être, hein. Est-ce qu'il est wardé? Non, il est pas wardé, mais on va reculer. On va pas prendre trop de risques. Il n'y a pas la Fiora. Il n'y a pas de TP. Elle a bientôt sa TP. La Fiora qui va prendre le raid, qui va ensuite rejoindre. Là où t'as raison, c'est que s'il se passe rien, on va aller sur le dragon plutôt. S'il se passe rien là, genre en mode t'as raison, on va aller sur le dragon. En fait, le truc, c'est que là, on va donner un 50-50 sur un Nash qui peut potentiellement les remettre dans la game. Alors après, est-ce qu'on peut pas faire la même chose au Drake finalement, dans tous les cas? Ah, quoique, attention. En fait, c'est pas 50-50 parce qu'on va pas vouloir finir le Nash, on va vouloir engager. Regarde bien. Versa des wards. Regarde bien qu'on va vouloir engager. La Fiora, elle est pas là. Elle a bientôt sa TP. Et bah, ce qu'on va faire, c'est juste faire des va-et-vient pour que Fiora push. Et donc, en fait, on les feinte au Nashor pour qu'ils soient. En fait, ils sont obligés d'envoyer quelqu'un. Ouais, bien sûr. Et en fait, vu qu'on n'avance pas trop, bah, ils avancent au recul. Et Fiora, elle va pousser. Ouais, ils ont envoyé Vladi, Ils sont obligés d'envoyer quelqu'un qui a TP, soit le Cassanté, soit le Vladi, et quelqu'un qui peut tenir la Fiora. Exactement. Est-ce qu'un Azir peut tenir une Fiora? Il peut dépush, mais il la tient pas. Parce que partition impériale, tu la dégages une fois, mais après, niveau dégâts, ça te dépend. Là, on va jouer le Drake. Surtout sous Ghost. On va jouer le Drake. Sous Ghost. Non, on va pas le jouer. Alors, et là, regarde, on a encore Akane qui est très haut, qui va essayer de faire un flanc. Oh, la flèche! On va jouer le dragon, hein, je pense. Hein, ah, il est pas bien, il doit back, hein, là. Il doit back, justement, avec cette flèche, on va prendre le Drake. Attention à ce qu'ils engagent pas directement le Nash. Je crois même qu'on va rotation sur le Nash. Vladi back. On attend de faire le break tranquillement et là on va le jouer. Je crois qu'on va rotation sur le Nash, les gars. Ouais, là c'est pas rotation sur le Nash, les gars. Ça va juste attendre Camille. Et là en plus on a notre TP, du coup la Fiora va tranquillement aller dépêche. Et le bot, elle va continuer à mettre la pression. Ça fait longtemps que Rakan est là. Ah, ça fait très longtemps, ça fait plus d'une minute qu'il est là. Ça c'est chiant. Ah, peut-être qu'on va le voir. Non, on le voit pas. Ça c'est chiant. Sur le EK. Okay. Là il est tout seul, mais il est seul là. Il fait des coupes là. Vaille est pas très loin. Après, il non, est parti. C'est pas ça, c'est que si la Vaille arrive à ce moment. Parfait. Et là il y a une pression, les gars. Ça c'était malin. Ça c'était très malin. Il est resté très longtemps. Il est resté au moins une minute. Et là il y a Fragile. Il retourne. Putain, il fait chier, fléchi. C'est très fort ce qu'il fait. C'est ce qu'ils ont ping tout à l'heure. Allez les gars, soyez malins. Mais là, on a tous des flashs. On a tous nos summoners. Donc là, le fight, on est quand même bien pour ce fight. Mais regarde Fiora. Il y avait les sbires. Attends, il cherche. Il a trouvé Rakan. Au moins, on l'a vu, les gars. Il y aura pas leur flanque bizarre. Ok, il va laisser des wards. Il va aller voir toutes les wards qui sont là. Il y en a une autre ici. Est-ce qu'on peut voir la troisième? C'est parfait. Attention, regardez au bot. On a le buff Mountain en plus. Oh là là, c'est un des très bons. Le buff Mountain, tu peux nous expliquer, Doc? Bah là, tu vois le bouclier. Ouais, on a un shield, on est shieldé. On a du bouclier shield sur en plus. Tout le monde, du coup, c'est super intéressant. Non, on leur a juste dit, les gars. Et là, on va enlever la vision. On va enlever la vision. Eux, ils sont obligés d'être autour parce qu'ils doivent nous jouer. Donc là, ils vont essayer de contester la vision. La tension est à son paroxysme. Oh là, et elle prend cher, elle prend très cher. Attention, le Cassanté qui prend très cher. C'est les meilleurs. Attention, c'est pas engage. Non, c'est double engage. C'est bon. Voilà, c'est l'explosion. On va finir la game. Regarde. C'est tout. Ah, peut-être la tourelle va nous renvoyer vers le Nashor. Parce qu'on peut pas finir. Parce que là, il reste que l'ordre de carry, les gars. Il reste encore des flashs, les gars. On veut finir avec les larves. Il est parti, EK est parti bot. Non, c'est bon, il revient mid. Est-ce qu'on essaie de finir? Je crois qu'on veut finir. 10 secondes sur Tu es mort. Il a raté. C'est tout droit. C'est fini. Allez. Normalement, c'est bon. Non, les gars, pas de bêtises, s'il vous plaît. Normalement, c'est bon. Oh là là, c'est forcé avec ces larves. Là, on aurait peut-être pu se faire ce nageur tranquille. Est-ce qu'on va pas lâcher? Vu qu'on est en 5v4 et on a un white en difficulté, on lâche. On lâche. C'était peut-être un petit peu trop ambitieux d'essayer. Ils veulent finir avec Ragnar qui va prendre ses responsabilités pour aller chercher Kalis. Kalis qui vient de tomber. Et c'est pas terminé avec les gros dégâts des cas. L'explosion de l'ultimètre. Qui ramasse si peu. Je crois que là, c'est vraiment terminé. C'est 7-0 pour les Gentlemen. Et c'est une victoire pour les Gentlemen.
combat. Chez nous, finalement. Il a raison. Let's go. C'est fini. C'est ce bien. C'est que même les bonnes cassées, ils l'ont la ref. C'est fini. Elle était celle-là, si ils l'auront les cassées. C'est fini. C'est fini. Elle était si propre, on a pris le combo qu'on voulait, on l'a joué comme il faut, on a pris nos responsabilités, bah, coup, désolé, les gars. On a créé les actions, on a pris l'avantage et on a snowball. C'est ce qu'on attend d'une équipe de ce niveau-là. C'est des joueurs de l'âme, frérot. Facile. Merci, gentleman. On sort de 0-2, tout le monde facile. Nous dit, vous allez nous faire éteindre. 2-0, les gars. Facile. Ouais, mais c'est surtout la manière, mec, je te jure. Facile. C'est une question de manière. Oh, non. C'est pas le résultat, c'est... Les gars, fallait pas qu'on gagne. Qu'est-ce qu'il fait? Je danse sur casser la moula, là. Il fallait pas qu'on gagne, il va être inarrêtable. C'est la moula. La moula. J'aime bien, j'aime bien. La moula. La moula. La moula. Mec, c'est toujours la manière. La frappe. Non, mais surtout qu'en fait, c'est maîtrisé de A à Z. C'est ça. La frappe coréenne. C'est ça. C'est pour ça que je mets le potentiel de la frappe. J'aime pas le 2 victoires, 0 défaite. C'est la manière, les gars. Vous êtes des champions. Les deux games, on les a gagnés avec la manière. Oh, bordel, la clim. Mets-leur le stream, mets-leur le stream. Eh les gars, tu penses que là, si on fait l'interview, on s'en bat les couilles ou je sais pas comment. On s'en bat les couilles plus. Comment on s'en bat les couilles plus. On peut parler, on peut faire une interview, c'est comment là? Les gars, kiffez. Ouais, kiffez, votre kiffez. Moment. Kiffez. Voilà, kiffez. J'ai plus de voix. Ah, ça valait le coup. Ah, les gars. Ça valait le coup. Dans notre nom de gentleman, les gars, on peut vanner un petit peu, on fait des petites vannes. Les gars. Voilà, vanner. Mais moi je suis taquin, les gars, j'aime bien, mais n'hésitez pas, les gars, vannez. Ils peuvent plus rien dire. Là, ils peuvent GG, rien. Les gars, n'allez pas dans les insultes ou je sais pas quoi. N'allez pas dans les insultes. Surtout, allez féliciter nos joueurs, le coaching staff. Coaching staff, incroyable. Les gars, c'est même pas eux qui ont mal joué, c'est nous. Ils ont non, trop bien joué, nos joueurs. Bien joué, ils ont vrai, trop bien joué. Les gars, c'était incroyable. Ils sont trop forts. Ouais. Let's go. Oh là là. Explosez votre joie, les gars. Explosez votre joie. Merci beaucoup les gars, Camillus, Eka, merci de me rejoindre. Comment ça va Eka? Ça va très bien et toi? Bah, tu vas, Camillus. Camillus, you told me that you would speak French by the end of the interview, so I'm gonna ask you to start cooking on something already. Oui. Oui, oui. Eka, bon. C'était un poil one-sided, si je puis me permettre. Ouais, un poil. Ouais. C'était close, cool, j'avais juste un petit truc à dire. Vas-y. On s'en bat les couilles maintenant ou non, pas non. Et bah non. On s'en bat pas les couilles. On s'en bat pas les couilles. On s'en bat pas les couilles. Bon principe, mais j'imagine que celle-là, elle fait du bien. Il a le droit, il a de l'ego. On a gagné de façon convaincante. Comme la game de l'air, et c'est trop bien pour la confiance, et on est super contents. Camillus, I know that the majority of the community wanted me to interview you and your ADC. Would have been complicated même, because gars, my Korean is not good enough. But talk me through what happened bot lane and how you smurfed it today. Personne m'a touché, Eka. Personne well, like to say, it's never that I'm playing good. It's just enemy gave me a lot of opportunities. Ouais, so, il a raison. I mean, no disrespect to KCP. I like Fleshy, he's my bro, but yeah, I mean, I think he just didn't have a good game and it was one of the most anticipated matchup on this day. When you look at the KC fans on one side, vous avez été incroyable aujourd'hui, vraiment, pour soutenir l'équipe. Les fanmates, c'était pareil. What does it mean to you to win today in front of what is the biggest fan bases that we have in the LFL? It means everything to me, you know, when I started playing League of Legends. Yeah. This is what I dream about. Day like this. Il a raison. C'est pour ce moment-là, les gars. Force, yeah, les gars. I mean, I think KC deserves to lose after what they did yesterday. Yeah. Gentle, les gars. It was very disrespectful. Mais il y a ce que le public français propose. Karma hit hard. Le public français, c'est une scène, let's les gars. Let's call it karma. Excuse you guys. Ça a été un week-end génial. Pas du tout un week-end. Ça a été une session de l'LFL géniale pour vous au final. 2-0. Il a continué comme as. Vraiment, les gars. Comment est-ce que tu réfléchis sur ces deux jours sur scène, Eka? Ben, clairement, ça fait du bien. Surtout après la semaine en 0-2. On bounce back sur scène, 2-0, des games convaincantes. Ouais. Donc clairement, on est super contents. Pour la confiance, comme j'ai dit, c'est super important. Ouais. Et tout le banter aside, je pense que KC, c'est une équipe assez forte. Honnêtement, et les fans des deux côtés ont été incroyables. Donc merci pour ça, déjà pour le show, mais merci beaucoup en tout cas. And I think that's, as you said, especially important for you guys to win against a team like KC, being one of the top teams you guys have in the LFL. What does it mean for the rest of the journey for Gentlemates heading into the second half of season? Well, I think this week we see how good we are actually. Yeah. I think both very convincing games. And
I think we are very confident going to the next week. I think we needed this week. We needed the fans. Like last week we went 0-2. It was very, we performed very poorly. And yeah, so I'm just very happy. Moral boost, stage buffs. Anything you want to tell the fans that have been cheering for you today, yesterday, in general, can you go? C'est un prince. C'est le moment où il a été le moins. Et Pierre, pareil, si tu veux avoir son moment avec tes fans. Il est pas tombé dans vous êtes incroyable, merci beaucoup pour tout le soutien. Et ouais, franchement. Merci beaucoup, on vous aime. Merci, Eka. Thank you so much, Camillus. And thank you to all the fans who showed up in Nice for these two days of NFL. Et une dernière fois, messieurs, à vous. Ah mais je vais la revoir avec plaisir. Merci Laure, merci beaucoup. Et une belle conclusion à ces deux superbes journées d'e-sport. Voilà, c'était l'heure, c'était maintenant, c'était l'e-sport. Bordel les gars. Comme aurait dit Takas, on les a éteints. Ah bordel, c'était beau. Non mais je vous jure qu'ils jouent tellement bien. C'est la manière qui m'a fait. Non les gars, même en avis de nous, parce que oui, on est des noobs, il y a quand même Brooks qui s'y connaît plus que moi, il y a Doigt qui s'y connaît via son passif encore plus. Mais là, les gars, ce qu'ils nous montrent, c'est beau, il n'y a pas de déchets, etc. C'était magnifique. Je te donne un autre scénario. Imagine, c'est eux qui dive et on prend deux kills parce qu'ils ratent leur dive. C'est pas la même victoire. Ouais, parce que c'est eux qui ont fait un truc et on a eu un peu de on est parti les chercher. Après, en fait. C'est nous. Là, on peut rien dire. En termes de macro, toutes on est les actions, c'est nous qui sommes à l'initiation. Et eux, ils ont pris des trucs par-ci par-là. C'est magnifique. Oh, c'est surtout ça que je mets là. Kiffer. Frérot. Ça, c'est ce que j'appelle éteindre l'adversaire. C'est ça que j'appelle quand on a commencé l'e-sport, est-ce que tu avais imaginé ça, frère? Je l'avais. On l'a rêvé. Rêvé. On l'a rêvé. On s'est pas dit. Ouais, dans 10-15 ans. Je pensais pas le vivre. Dans 10-15 ans. Même les autres blessés, c'était big. Il y avait 3000 personnes. Mais je peux pas te mentir, je l'ai rêvé. Tu sais, c'était pas vraiment en mode. Ah oh, non, vas-y, on revoit les mouvements. Moi je mets MVP Camillus. Ouais, je mets MVP Camillus. Ça, mais ça fait quelques semaines. Mais d'habitude, t'es un hater de Camillus. Ouais, mais tu vois. Ça fait quelques semaines, MVP il est comme Camillus. Ça là, Camillus. Là. MVP Camillus. Mais là, il s'est adapté à Bao, je trouve. Il s'est adapté à Bao. Ils sont trop forts, hein, tous les deux. Ouais, il s'est fait confiance. Wow. Et sur les champions où il a de l'engage, il est tellement fort. C'est le Nautilus. C'est le Nautilus. Eh, comme quoi, je suis. J'ai des vrais rêves, moi. Moi, je joue, les gars. Après, j'ai tombé une pique aussi. Oui, Nautilus, bah oui. Parce qu'il s'en sortait. Il s'en sortait. Bah oui. Il s'en sortait. Enfin, après, je pense qu'on le récupérait derrière. Mais vas-y, on après, c'est Rakan, il peut avoir son nom. Tu vois, même ça, on arrive à faire du 1 pour 2. Même si bien sûr, ils forcent, hein, ils ont pas le choix. C'est trop bien réagi. Et ils font ça parce qu'on les a mis dans une situation où ils ont pas d'autre choix. Ils ont pas le choix, ils doivent go suicide limite. Et sinon, on est à l'initiative des vrais moves. Eux, c'est des petites choses qu'ils peuvent récupérer, donc ils ont raison, ils ont pas cessé de faire. Mais nous, on est vraiment. Partie de League of Legends. Oui, vraiment. Une excellente partie. Genre, la gamme, les gars, tout le monde est content. Là, c'est à montrer dans les écoles. Exactement. En plus, hier, ils nous ont mis une pression parce que tu sais, hier, quand on est parti les voir, moi, Kamel, écoutez, ils m'ont dit vous étiez là, je crois. De toute façon, nous, quand on perd le premier jour, on perd jamais le deuxième jour. Après, c'est normal, c'est le sport, ils veulent se. Je vais les checker avec le sourire. Non, mais comme on dit, les gars, c'est bon enfant. Je rappelle encore une fois parce que là, je sais qu'il y en a certains qui sont très premier degré dans le chat, qui ont engendré de la haine et qui vont tout lâcher. Les gars, c'est vraiment bon enfant, c'est de l'e-sport. Vous pouvez aller faire votre match d'après-match en mode oh là là, ça a mal fini machin. Amusez-vous, mais tout ça dans le respect, bien évidemment. Et voilà, oh là c'était là, les gars. Ça va devenir ma pépé. Les gars, désolé, mais les gars, voilà, tout dans le respect, bien évidemment. On a gagné une bataille aujourd'hui. Voilà, il y en aura beaucoup, j'imagine. C'est pas les playoffs, quoi. C'est pas les playoffs. Là, en tout cas, on monte une petite marche pour se rapprocher des playoffs parce que cette victoire était importante. On passe deuxième au classement général. Et forcément, il y aura tous les matchs retour. Il ne manque plus que Gamers Origin à jouer. Est-ce que ça reprend directement la semaine prochaine? Ah, bonne question. C'est pour ça qu'il faut télécharger les matchs retour. Après les matchs retour, est-ce que c'est dans le même ordre ou à tout moment Je crois pas. Je crois pas que c'est aussi simple, genre en mode tu refais pas le même match, je pense pas. En tout cas, dans les matchs allés, les gars, il nous reste que Gamers Origin qu'on jouera normalement la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, s'il y a une pause, de toute façon, vous tiendrez au courant, mais logiquement, ça devrait être normalement, il y a une pause après peut-être les events comme ça. Ouais. Je sais pas. On est nouveau, frérot, on découvre. Et moi, j'ai signé hier, frère. Oui, en tout cas, les gars, fan gentlemate, pas d'insultes. On s'en fiche de ce que les gens font. Restez bon enfant. En tout cas, nous, les CEO, tout le monde, si gentlemate, on est très fiers de vous. On est très fiers des valeurs que vous prenez, vous prenez les mêmes valeurs que nous. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc continuez comme ça. On encaisse, mais regardez comment le joueur répond sur le terrain. Que ce soit sur tous les jeux qu'on a, les joueurs répondent. Et c'est aussi grâce, c'est carrément grâce à vous. Il y a une énergie. Il y a une énergie. Toutes les interviews, ils vous remercient pas parce que pour faire beau, pour être poli ou quoi. Non, parce que les messages, même quand on perd, les gars, la semaine dernière, on doit sortir à la tête haute d'une 0-2 week. C'est ça. Vous vous rendez compte ou pas? 3,2 Kalkacent, frère. Ah bah là, il s'est fait la fureur. Il a pas existé, frère. Tout à l'heure, il a dit Ragnar.
le top laner, je vais l'arracher. C'est vrai? Ouais, il a dit, ah, j'ai arrêté, c'est encore mieux. Et c'est, je crois que je savais qu'il allait jouer Fura. Il a dit, mais les gars, dormez pas. Il a dit, bien sûr, MVP. Bah ouais, c'est son deuxième MVP de l'NFL. Ah non, il est. Il a jamais eu. Il a, ça fait 4 ans. 4 ans, il est en NFL. Ça fait 4 ans, il est en NFL. Il a jamais eu MVP. Il vient de choper 2. Mais quand t'es dans une équipe avec qui ça roule bien, avec qui tu t'en mets, avec qui tu peux parler, dire les choses, évoluer, que tu te sens à ta place, bah voilà, 4-0-13. Et ouais, les gars. Et le gars a des stats monumentales. Que les gens soient contents ou pas, ils vont devoir faire avec nous parce qu'on est venu pour tout prendre. Ah bah ça. Et d'ailleurs, encore une fois, pour revenir sur Camillus, il est pas tombé sur la facilité là au micro. Et ça, vraiment, grand monsieur. Ouais, parce que de base, les gars, c'est le trash talker de base. Ouais, il le fait gratos d'habitude. Gratos, et c'est pas parce qu'il en a dans le petit coup ou quoi. Non, vous inquiétez pas. Il a pas sa. Voilà, il a pas sa langue dans sa poche, comme ça que ça se dit. Oui, c'est ça, ouais, il a pas sa langue dans sa poche. Mais la scène. La lettre. Non, la scène. Qui a été envoyée. Voilà, déjà. Lettre des fans. Nous, on tenait au niveau, voilà, du point de vue de la LFL, de la manque d'organisation, de tout le monde, on vous de dire que on est fiers d'avoir des ultras aussi passionnés, aussi impliqués, qui ont envie que vraiment la ligue s'améliore. Sachez que ces ultras ont été entendus, qu'ils sont actuellement en discussion avec les organisateurs, avec les producteurs de la LFL, et que le but est d'avancer, voilà, tout le monde ensemble, main dans la main, pour cet e-sport que l'on aime tous. Ça, merci beaucoup gros morceau, à vous tous dans la salle, bien sûr. Ça va demander de s'organiser pour et tout le monde. On tenait, voilà, à vous passer ce message. C'est un phénomène c'est de pas, société, bien sûr, les gars. Le seul remerciement que j'aimerais faire, il y a les remerciements. Nous, on va alors. En plateau. Remerciements à Shriek. Remerciements à Shriek. Mais voilà, vous le voyez, on n'était pas favoris, hein, sur le papier, ouais, contre K-Corp. Alors après, moi, je l'ai dit, en LAN, je trouvais. Moi, Chips, le vrai frère. J'adore Chips. Et Shriek. Chips et Shriek. Si on est, Gotha, je te l'ai dit un petit peu au repas tout à l'heure, je t'ai dit, en vrai, en LAN, j'ai l'impression qu'on a un truc. Donc moi, j'aurais mis mate. Même on si a tous des joueurs de LAN, même sur les autres. J'aurais dû me pronostiquer, même en étant neutre, j'aurais sûrement mis mate. Alors que K-Corp, chez elle fait mal, tu vois. Mais je pense qu'en LAN, on a un truc, comme tu as dit, avec l'expérience. Et puis aussi, c'est des rookies, ouais, c'est ça. C'est ça. Rookies, nous, on a l'expérience et eux, c'est des rookies. Donc forcément, ça a assez joué. Donc content de voir que c'était pas juste une intuition et que ça s'était vraiment réalisé. Et messieurs, voilà, on voit le classement et on est monté, remonté, égalité. Let's à la go. Seconde place, comme l'avait dit Gotaga en début. Et moi, c'est sur ces belles paroles que je vais vous dire mes derniers mots, messieurs. Je suis actuellement invaincu en tant que head of LOL. C'est vrai. Invaincu, messieurs. C'est vrai, la stat. Deux victoires, zéro défaite. Beau boulot. Et là, tu fais, bon, bah, les gars, bah, moi, c'est fin de tournage. C'est bon. C'est juste pour Nice. J'arrête tout. Ouais, ça, j'arrête et dans tout, sa carrière, je le mec est invaincu. Avec une victoire contre K-Corp. Les gars, invaincu. Non, d'ailleurs, pour parler un peu du head of, les gars, pendant que je vous tiens, vous êtes assez nombreux. Alors, la plupart ont compris un peu, surtout dans notre communauté, le rôle de Dwag et tout le monde l'a pris. Voilà, je sais pas si t'as vu les commentaires, c'était incroyable. Ah, de quoi ? Il ne reste pas beaucoup en LFL, l'air de rien, donc il va falloir se dépêcher pour les playoffs. Non, mais la scène, mais nous on fait okay, non, j'écoutais un peu ce que tu disais. Mais ouais, dans tous les cas, on va clôturer là. Je vois, il y a plein de gens qui attendent, etc. Mais en gros, voilà. Donc en gros, ce qu'il va faire principalement, bah, déjà, ce qui va nous accompagner, ça va être quelqu'un du coup, qui est assez légitime, qui a, même si c'est plus la même méta de League of Legends, les gars, bah, regardez, quand il vous caste, il vous dit exactement tout ce qui va se passer dans la game. Alors que... Et là, je suis au talent. Hein. J'adore. Et je suis en découvert. Ouais, c'est vraiment... très peu trompé. Et c'est exactement ce qu'il fait quand il joue avec nous en game. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Mais parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui ont confondu en mode ouais, il va faire quoi, il va recruter les joueurs, machin. Non, c'est pas moi, ça m'a fait rire l'histoire de l'emploi fictif. Non, mais du coup, c'est head off. En tout cas, nous, on a notre définition à nous. Et du coup, forcément, vous avez peut-être l'image de Nikov qui est encore plus impliqué qu'un head off. Nikov, il a carrément d'autres casquettes qui sont arrivées d'un coup, les gars, vous vous rendez pas compte, même là, il est allé avec les ultras, machin, etc. Et forcément, il a une place un peu différente dans le sens où. Et même sur LoL et sur un Fortnite, par exemple, le staff, c'est pas exactement la même chose du tout. Ils sont beaucoup plus équipés sur gars, un jeu comme LoL. Va pas les voir en scène, en sur LoL, il y a beaucoup les gars, de monde. Wukong, plus jamais, vous me prenez ça. Non, les gars, ça, sur LoL, pas qu'il va laisser. Mais par contre, il peut aller voir en scène pour lui poser des questions. Exactement. Et comme ça, quand on arrive en live, il vous donnera des informations qu'il aura de coach, du pourquoi on a mis un Wukong à ce moment-là, de pourquoi, tu vois, des stats, des choses comme ça. C'est l'égérie. C'est un peu léger. C'est le représentant, c'est le représentant officiel de League of Legends, c'est-à-dire que principalement, les gars, vous allez nous voir tous les trois, des fois on sera deux, machin, etc., à commenter tous les matchs de notre équipe. Il y a des moments où il y aura des matchs en même temps, comme vous avez pu le voir là dernièrement. Par exemple, moi j'étais sur TFT, parce que déjà chez Amit, il n'y a que moi qui connais TFT, oui. Donc voilà. Pendant que Nikov, il streamait Fortnite, il y avait 30 000 personnes qui sont live, et au moins on pouvait déléguer les tâches. Tu vois, par exemple, Kamel, c'est qu'il fait beaucoup de tous les streams au même endroit, et ça fait des duplex, machin, etc. Nous, on a préféré partir dans une optique où vraiment on reste focus sur un jeu, quitte à déléguer, mais justement on délègue à des gens de confiance. Et c'est je sais que là, à tout moment, je vais stream du TFT en même temps, je vais stream du Rocket League en même temps.
je peux mettre Dwag sur League of Legends avec quelqu'un, que ce soit avec Lucas, et t'as la tête avec Brooks, ouais, et j'ai la tête tranquille, ouais, je suis pas en mode, oh là là, j'espère qu'ils vont pas faire une dinguerie quoi. Non, parce que du coup, ce sera vraiment le représentant de League of Legends, j'aurai totale confiance, tu sais, et moi, je serai tranquillement en train de cast un autre jeu. Voilà. Et pour compléter, ça ne se résume pas uniquement au stream et au cast. Je vais effectivement aussi être impliqué dans la vie quotidienne des joueurs. Bien sûr, il va être là, il va avoir les scrims. Mais je vais rester à ma place, les gars. Surtout que là l'équipe marche bien, le staff est confortable. Par contre, effectivement, si Il va se bouffer des scrims, voilà, t'inquiète pas, il va faire des doigts en mode ah les gars, je nous vois bien aujourd'hui sur un Yone, parce qu'il a vu en scrim qu'il y a eu un petit Yone. Ouais, on connaît puis on regarde les techniques de fond, on regarde des trucs, mais bien je sûr. Pense que les staffs et les joueurs le font aussi. Donc sur cette partie là, tu vois, hier j'ai parlé à Bao, je lui ai dit frérot, tu sais mieux que moi ce qu'il faut faire. Par contre, juste un truc, si tu vois des choses et que tu ressens des choses, dis-le. Oui, c'est et important. Il m'a dit t'inquiète, je parle beaucoup, ouais, et j'étais en mode ça m'a fait plaisir qu'il me dise ça. Ouais. Il m'a dit ok, j'ai compris, je parle beaucoup, t'inquiète. Juste ça, parce que je suis en mode tu sais mieux que moi ce qu'il faut dire. Après, j'ai rien à lui apprendre, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, être là aussi pour leur mental. Ça, je pense que je vais être aussi une porte aussi pour leur mental, pour aussi être à leur côté. Mais ouais, là en fait, il y a beaucoup de monde qui attend. Allô, ma bonne. Il y a trop de gens partout. Laquelle? Elle est là, c'est bon. Ok, t'inquiète. Voilà, mais en tout cas, tout ça, on vous expliquera au fur et à mesure. Mais comme vous l'avez compris, à partir d'aujourd'hui, je serai normalement à tous les castes, au moins avec Gotha, carrément, quand il pourra le faire, sur l'équipe Gentleman League of Legends. Mais voilà, le job va se faire au fur et à mesure. Même moi, pour l'instant, j'arrive pas avec mes gros sabots. Je suis en observation. Je vois, je commence à mieux comprendre l'équipe, à mieux comprendre les caractères, etc. Tu vois, je m'instruis de tout ça. Et puis le fait que t'es, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas que t'as été pro de base, des fois on en rigole, mais il a vraiment été pro à une époque différente, bien évidemment. Ça me donne une bonne base. Ouais, mais par exemple, nous on a été pro sur un jeu totalement différent qui est Call of Duty. Je t'assure qu'on arrivait avec un coup d'avance sur Valo. Et on a donné des conseils à des joueurs qui nous déchirent. Frérot, ils peuvent jouer comme ça tranquillement, même avec leurs mauvaises mains, tout ce que tu veux, ils nous déchirent quoi qu'il arrive. Mécaniquement. Mais il y a quand même ce respect dans le sens où on leur donne des conseils. Par exemple, moi, ce qui m'a fait plaisir de fou, c'est un Nathan qui est revenu plusieurs mois plus tard en mode qu'est-ce que tu m'as dit au tout début de la saison ? Ça l'a bossé. Je m'en suis rendu compte de fou et j'avoue que maintenant, et il bosse sur des trucs machin, etc. Parce que c'est des choses qu'on a vécues en tant que joueur, donc forcément. Mais bien sûr. Si tu peux leur gagner du temps, si tu peux leur faire gagner du temps, fais-le. Mais même des pressions de LAN, nous, on leur a parlé après leur match à Valo où Nathan et tout n'étaient pas à l'aise sur scène. On lui a dit kiff, ils sont avec toi de toute façon. Prends leur énergie, fais ta plaisir, éclate-toi. Et dernière chose, League of Legends et surtout une structure, c'est des cycles. Donc oui, effectivement, cette équipe, elle a beaucoup de maturité. On n'est pas à l'abri que dans un an, on a des rookies. Bien sûr. Et peut-être que là, je prendrai une place un peu plus importante parce qu'on estimera qu'il faut un peu plus accompagner ces rookies. Donc en fait, c'est du sur-mesure et ça va être du quotidien. Et là où j'ai la chance, c'est comme l'a dit Brooks, c'est comme l'a dit Gotha, il y a beaucoup de staff autour de moi, ce qui me permet d'avancer sereinement avec des gens vraiment qui sont eux à 100 000% là-dedans. Ouais. Là où moi, Gotha l'a dit, j'ai aussi mes activités à côté. Évidemment, carrément. Donc il va falloir faire un peu vivre tout ça ensemble. Par contre, ce qui est fou, c'est le côté humain, que là je reviens des trucs d'ado. Même s'il y avait, 30 viewers, je vous jure, on aurait fait le même live, j'aurais eu la même excitation. Et c'est ça qui est fou, parce que tu vois, on n'est pas dans le calcul. Et ça m'a tu vois, ça m'a manqué. Il y a carrément 80 000 personnes, un grand merci. Ah ouais, pour 90 000 personnes. En sachant qu'en plus, 90 000 personnes. Sur le live, en plus, en sachant que Kamel l'a live aussi, et je pense qu'il a dû exploser tous les. Mais il y avait combien sur la game au global? Je pense que sur la game, il y a dû avoir énormément. Et il y a OTP qui font beaucoup de viewers aussi. Oui, donc c'est pour ça que je suis en mode. Si tu cumules les trois, il y a quoi? Il y a 300 viewers ou quoi? 300 000? Nikov Sauvage, il a pas pu. Nikov, je l'ai même pas vu. Non, en tout cas, voilà, c'était juste pour vous informer, mais au moins vous allez mieux comprendre. Et de toute façon, on en reparle la semaine prochaine, on sera tranquillement au studio avec Gotha, voilà, ou alors sur TS. Donc du coup, on aura plus l'occasion de se poser sur le sujet. Pourquoi pas prendre plus tôt? S'il y a des questions, s'il y a besoin. 220K sur au total. Voilà, moi ça donne envie. C'est un match de championnat. Hein. Ce n'est pas les playoffs. C'est un match de championnat en BO1. Ah, mais merci pour votre soutien. Merci en tout cas. Beaucoup, merci pour tous les messages. Merci. Je rappelle. Merci. Et là, en plus, c'est plus facile de vous le rappeler quand on vient de gagner. C'est encore mieux. Mais n'hésitez pas à envoyer de la support, principalement aux joueurs, les gars. C'est ça. Jamais autant été observé en live. Ouais, là, les gars, vous vous rendez pas compte que derrière la cam, il y a trop de gens. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si on va tourner un truc les ou quoi. Il y a beaucoup trop de gens. Beaucoup trop de les maillots de plein de structures différentes et tout. Mais écoutez, voilà, nous, notre event qui continue, c'est pas fini. Merci tout le monde. N'hésitez pas à envoyer un maximum de force aux joueurs. Ouais, exactement. Et puis, on se retrouve une prochaine fois en live. Ce week-end, normalement, il y a des dates intéressantes. Il y a Rocket League qui se reprend, les gars. Ouais. Il ne reste plus que ces équipes. Ah putain, du coup, on voit l'envers du décor. C'est pas vrai, mec, les gars. C'est pour ça qu'il faut rester avec nous. Il y a Rocket League, il y aura les Swiss Play. Et en même temps, il y a TFT aussi. Donc, du coup, là, vu que c'est un peu compliqué, parce que je crois que Lucas, il a un voyage loin, dans un autre continent. Ouais. Du coup, moi, je serai sur Rocket League. Et du coup, vous verrez, j'ai trouvé un copain très sympa pour pouvoir cast TFT. Donc, ça va être vraiment cool. Donc, ce week-end, reprise de Gentleman. Si vous avez l'application, dans tous les cas, vous serez au courant de tout. On vous remercie encore une fois. On vous fait des gros bisous, les gars. Et c'est pas mal ce parfum. Attends, ouais, c'est pas mal. Hein. Ils sont bons. Ouais, parce que là, il a fait très chaud. Et là, je vois tous les gens derrière en fait, après. On a sué la team. Vous avez compris l'astuce. Soyez fiers, les gars. Soyez fiers. Soyez fiers de fou, les gars. Des gros bisous. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Et bisous à la CACORP aussi. Gros bisous à la CACORP. On fait 0-2, ça doit pas être facile. Mais voilà, encore une fois, c'est le sport.
bisous à eux et bisous aux fans, parce que moi ils m'ont super bien accueilli et je voulais leur passer un petit message. Moi, frérot, même moi, ils m'ont bien accueilli, ah ouais. On a rigolé. Donc, gros bisous à vous. Nous on se déteste, mais vas-y tranquille, force. T'es fort, t'es très fort. J'ai presque cru. Bisous la team.